Amen. Amen. Donc le mot père, so the word father, se réfère au fondateur. Refers to a founder. Par exemple, for example, celui qui est le fondateur d'une entreprise. The founder of an enterprise. C'est le père de cette entreprise. He's the father of that enterprise. Celui qui est le fondateur d'une église. The founder of a church. C'est le père de cette église. He's the father of that church. Le fondateur d'un mouvement. The founder of a movement. C'est le père de ce mouvement. He's the father of that. Donc le mot père en hébreu. So the word father in Hebrew. Hormis le fait que ça soit défini comme étant la source, l'instructeur. Ça veut dire également le fondateur. Amongst the fact that it means the source or an instructor, it also means a founder. Que la gloire revienne au Seigneur. May the glory be given to Donc the quand Lord. On dit l'Éternel est notre Père, so when we say the Lord is our Father, et quand on dit Dieu est le Père de la terre et des cieux, and when we say God is the Father of the heaven and the earth, cela veut dire il en est le fondateur. It means he is the founder. C'est lui qui a fondé la terre. He is the one that founded the earth. Alors j'aimerais qu'on commence avec Job chapitre 8, ça va so nous I aider. Want us to start with Job chapter 8. Parce que j'aimerais encore qu'on puisse enlever cette équipe. Et on va présenter le Dieu que nous créons comme le Père. Job chapitre 8 à partir du verset 8. Job chapter 8 from verse 8. Ici c'est le Seigneur qui pose la question à Job. Here it is the Lord asking Job a question. Lui demandant où étais-tu quand je fondais la terre. Allez-y. Him where were you when I laid the foundations of the earth. Interroge ceux des générations passées. Oui. Sois attentif à l'expérience de leur père. Ça c'est on va venir à ça. Job 38, plutôt. Job 38. Merci, fils. Job 38, allez-y à partir du verset 4. Allez-y, fils. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Where were you when I founded Dis après the moi, earth. Dieu a fondé la terre. Say after me, God founded the earth. Dieu pose la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Allez-y, pasteur. Dis-le. Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Oui. Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Oui. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui en a posé la pierre angulaire? Dis Amen. 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 Dieu pose la question à Job. God asked Job the question. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? He said, where were you when I founded the earth? Dis après moi, l'Éternel, the Lord, Dieu, God, est le fondateur is the founder de la terre. Of the earth. Et là, si le mot père veut dire fondateur, c'est Now, que Dieu est le père de la terre. If the word founder means father, it means God is the father of the earth. Reprends après moi, Dieu est le fondateur is the founder de la terre. Of the earth. Donc il a fondé la terre. So he founded the la earth. Terre sur laquelle tu marches. The earth upon which you walk. Et la terre où tu vis. And the earth wherein you Dieu live. En est le fondateur. God is the founder. Amen. Deuxième chose. The second thing. Le mot père the word father est aussi en référence au premier ancêtre d'une tribu. It's also in reference to the first ancestor of Quand on appelle tribe. Quelqu'un un père, when they call someone a father, cela veut dire qu'il est le premier ancêtre d'une tribu ou de l'ethnie. He is the first ancestor of an ethnic or a tribe. Amen. Amen. Il est le premier ancêtre d'une tribu, the first ancestor of a tribe, d'une nation, of a nation ou d'un mouvement. Or a movement. Par exemple, le premier ancêtre des Kissiens. Kissi. Example, the first ancestor of the Kissi. C'est le père de tous les Kissi. Is the father of all the Kissi. Le premier ancêtre des Malinké. The first ancestor of the Madingos. C'est le père de tous les Malinké. Is the father of the Madingos. Le premier ancêtre des Peuls. The first ancestor of the C'est Fulans. Le père de tous les Peuls. Is the father of all the Fulans. Et le premier ancêtre. And the first ancestor. Des gens qui parlent Pelé. Des forestiers. The people that speak Pelé C'est the le père des forestiers. Is the father of the Le forestiers. Père de Thomas. The father le premier of the Thomas, ancêtre. The first ancestor. Est-ce que je me fais comprendre? Am I making myself Donc, chaque clear? Ethnie a un père. So every ethnic have a Il father. Suffit seulement de retracer votre arbre généalogique. You just need to trace your genealogical roots.
vous allez découvrir qui était le premier ancêtre de votre ethnie. You will discover the first ancestor of your ethnic. Et le mot père veut dire le premier ancêtre. And the word father means the first ancestor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Le premier ancêtre. The first ancestor. Comme pour les Juifs. Like for the Jews. Le premier ancêtre des Hébreux. The first ancestor of the Hebrew. Il s'appelle Abraham. It's called Abraham. Tous les Hébreux viennent d'Abraham. All the Hebrews come C'est from pourquoi him. Il est le père fondateur de la nation israélienne. That is why he is the father founder of the Israeli nation. Et c'est pourquoi quand Israël voulait se détourner de la voie de Dieu, that is why when Israel wanted to turn back from Dieu va appeler God, à Israël, dit regardez votre père Abraham. Says, look at your father Abraham. Je l'ai appelé lui seul et sa I femme. Call him alone with his et je l'ai multiplié, je l'ai and béni. I multiplied and blessed him. Donc il est le père fondateur de la nation israélienne. So he is the father founder of the et il est l'ancêtre nation. De tous les peuples appelés les Juifs ou les Hébreux. And the ancestor of all those called the Jews. Regardons ce que la Bible nous dit. Let's see what the Bible Genèse says chapitre 17, verset 4. Genesis 17, verse 4. Et le verset 5. Genèse chapitre 17, le verset 4 et le verset 5. Voici ce que la Bible dit. See what the Bible says. You will be the father of many nations. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Allez-y. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Oui. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père, cela veut dire fondateur, it premier ancêtre founder, the first ancestor d'une multitude de nations. Of the multitude of nations. Si tu ne prends pas note, tu es suspect. If you don't take note, et si tu n'as pas ta Bible pour me suivre, tu es suspect. And if you don't have your Bible to follow me, you are a Il suspect. Dit, je ferai de toi père d'une multitude Then de nations. I will make you father of nations. Yes. On ne t'appellera plus Abraham. Oui. Mais ton nom sera Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai père d'une multitude de nations. Dis Amen. Amen. Il dit on t'appellera plus Abraham. He said you will no longer be called Abraham. Mais Abraham. But Abraham. Car je ferai de toi père d'une multitude de nations. You father of many nations. Maintenant cette nation dont le Seigneur parle qui Now, est la multitude de nations. That God was talking about inclut également les nations païennes. Includes the paganist nations. Ou les gentils. The Gentiles. Or the Gentiles. Mais qui vont accepter le Dieu d'Abraham. Or I will accept the God of Abraham. Donc il deviendra en fait le père de tous ceux qui croient so en Dieu. So he will become the father of all those that believe in God. Amen. Amen. Romains chapitre 4 verset 11. Romans 4:11. Donc le mot père so the word father, est en référence aussi au premier ancêtre d'une tribu, d'une nation et d'un mouvement. It's also in reference to the first ancestor of a movement. A et dans Romains chapitre 4 verset 11, on nous présente Abraham comme le père de tous ceux qui croient. Allez-y pasteur. Et il reçut le signe de la circoncision. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Comme sceau de la justice. Il avait obtenu par la foi. Il avait obtenu par la foi. Quand il était incirconcis. Oui, qu'est-ce que Dieu lui dit? Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Afin d'être le père, dis après moi, Abraham est le père. Dis-le à haute voix, Abraham est le père. Abraham is the father. De tous les incirconcis. Of all the uncircumcised. Qui croient. Les incirconcis sont des païens, non juifs, parce que tous les juifs se font circoncis. Because all the Jews have been circumcised. Et dans le temps, les autres nations ne se circoncisaient pas. And in those days, other nations do not Alors, circumcise. Abraham devient le père de tous ceux-là qui sont incirconcis, c'est-à-dire des païens, des nations païennes, mais qui vont croire au Dieu d'Abraham. So Abraham become the father of all those that are not circumcised but that Prenez believe un autre in point. The God of Abraham. Le mot père the word father veut également dire fondateur comme je le disais. Also means founder, as I said. Et ça veut dire également l'auteur d'une famille. And it means also the author of a family. D'une société. A society. Des personnes animées par le même esprit. People are lighted by the same spirit. People of The society of people. A society of people are lightened by the same spirit. Animated. Animated by the same spirit. Animé par le même esprit. Amen. Comme nous qui sommes des croyants.
As we believers, nous sommes animés par le même esprit qui animait Abraham. We are animated by the same spirit that was in Nous croyons Abraham. À ce Dieu en qui Abraham a cru. We believe in the God in whom Abraham believed. Donc ça fait d'Abraham notre père so dans la foi. Abraham, our father in faith. Et pourtant nous ne sommes pas les fils d'Abraham biologiquement. We are not the sons of Abraham biologically. Mais quand vous chantez, vous réclamez les bénédictions d'Abraham. You claim the blessings vous dites of Abraham. Les bénédictions de notre père Abraham sont you les miennes. The blessing of our father Abraham Comment est-ce que tu peux réclamer les bénédictions d'Abraham pendant que tu n'es pas son fils biologique? C'est parce que tu es dans le mouvement de la foi dont Abraham est le père. Of which Abraham parce que is tu the fais father. Partie de la famille you are part of the de la société des personnes animées par le même esprit dont Abraham est le commencement de ce mouvement. Of which Abraham is the Il est considéré comme le père de cette famille. Donc tous les croyants ont un seul père. So all believers have one tous ceux qui father. Marchent dans la foi ont un seul père. All those walking in faith Ce have père one s'appelle father. Abraham. That father is called C'est pourquoi Abraham. Romains chapitre 4 verset 11 dit that is why Romans 4, Il est le père de ceux-là qui croient. He is the father of all those that Donc believe. Il est l'auteur de la famille. So he is the author of the Il est l'auteur de la société he is the author of the des personnes animées par le même esprit de la foi qui animait Abraham. Animated by the same spirit that was in Abraham. Que la gloire revienne au Seigneur. May the glory be given to the Est-ce Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un va dire, pasteur. Someone will say, pastor. Je ne comprends pas parce que aujourd'hui l'enseignement si la paternité spirituelle a été bafouée et foulée aux pieds. I don't understand because today the teaching on fatherhood have been trampled upon. Et à cause de la manière les pasteurs ont prêché ça, and because of the way pastors preach it, beaucoup n'ont pas compris et ne comprennent pas. Many don't understand and do not understand. Et à cause de mauvaise conduite de certains pasteurs, entre guillemets, qui sont des pères vis-à-vis des gens, and because of the wrong conduct of some pastors that are called father of some people, les gens ne croient plus à la paternité. People don't no more believe in fatherhood. Et par-dessus tout, And above all, les gens en ont fait toute une doctrine, le papaïsme. People have made it a doctrine. Au point où les gens ne croient plus à ça. To the point that people don't believe in it anymore. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Au point où les gens ont tendance à penser que se soumettre à un père, c'est abandonner ce qu'on doit faire et devenir esclave et ce qui est père devient ton maître qui te dicte. So the point that people think that submitting to a father means abandoning all that you have to do and the father to will become a slave. To become a slave and he will be a dictator to you. Amen. Amen. Que tu n'as plus la volonté, tu n'as plus à that faire you ton no propre longer choix. Have your own will. You don't have c'est lui qui te dicte, make. C'est lui qui te commande. He's the one that will command Et and cela a fait que beaucoup you. Ne veulent plus entendre parler des paternité spirituelle. And it made many people don't want to hear about spiritual Mais fatherhood pourtant, anymore. Mais cela est biblique. We are asked it is biblical. Cela ne veut pas dire parce que une chèvre est rentrée dans les champs de quelqu'un et a brouté tout le manioc là-bas que toutes les chèvres broutent le manioc dans les champs des gens. It's not non. because a goat entered the cassava farm of someone and ate up all the cassavas that all the goats can do the Ce same. Ce n'est pas parce que Lucifer s'est rebellé au ciel et il est devenu Satan. Que tous les anges sont des rebelles, non. It's not because Lucifer rebelled in heaven and became Satan that all the angels are rebellious. Et ce n'est pas parce que parmi les apôtres que Jésus-Christ avait établi, un d'eux appelé Judas s'est détourné de Jésus et s'est ligué contre lui pour le trahir et le vendre que tous les disciples et tout le monde est mauvais et tous les apôtres sont mauvais. Pas du tout. And it's not because one of the apostles of Jesus turned back, betrayed Jesus. That means all the other disciples are betrayers or they are all the same. La notion de la paternité n'a pas commencé maintenant. The notion of fatherhood did not begin la now. La notion de la paternité a commencé depuis le ciel. It started from heaven. La notion de la paternité a commencé avec Dieu lui-même. The notion of fatherhood started with God himself. Quand Dieu a créé les anges, when God created angels, les anges considèrent le Créateur comme leur père. The angels consider the Creator as their father. Parce que c'est lui qui est leur fondateur. Because he is Dans their un autre founder. Terme, leur Créateur. In another Donc, term, puisque their c'est lui creator. Qui les a créés, Since he is the one that created comme quelqu'un qui peut créer sa société, as someone that il can est le père de cette société-là. He is the father of that Donc, society. Dieu
est considéré par les anges comme leur père. So God is considered, parce que c'est lui qui a créé le monde dans lequel ils vivent. God is considered by angels as their father because he's the one that created the world in which they are. C'est pourquoi dans Job chapitre 38. That is why in Job 38. Le verset 5. Verse 5. Quand Dieu pose la question à Job. God asks Job the question. Il dit où étais-tu à partir du verset 4. He said, where are you? Quand je fondais la terre. When I founded the earth. Quand je plaçais les étoiles. When I placed the stars. Quand je plaçais tout ce qui est sur la terre. When I placed all that is upon the earth. Et il dit quelque chose. And he said something. Au verset 6. In verse 6. Quand le fils de Dieu. When the Son of God s'éclatait en allégresse, were rejoicing. Et quand les étoiles du matin and when the stars of the morning, chantaient à la gloire de Dieu. Lisez, pasteur. Le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Alors que les étoiles du matin s'éclataient en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. À ce moment-là, Job n'était pas encore né. By then, Job was not yet born. Dieu dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Where are you when I founded the Et Dieu earth? Révèle que pendant qu'il fondait la terre, and God revealed to him whilst he founded the les earth, anges n'ont pas participé à la création, the non. Angels did not participate Mais to ils voyaient Dieu créer. But they saw God Et pendant que les anges contemplaient la création de la and terre, whilst they contemplated the creation of the earth, ils chantaient à la gloire de they Dieu. Were singing to ils the glory adoraient of God. Dieu. They worshiped pendant God. Qu'ils faisaient l'œuvre de la création whilst sur la terre. He was doing the work of creation on Et the earth. Le nom des anges ici, and the name of angels, Dieu les appelle les fils de Dieu. God called them the sons of God. Le fils de Dieu. The sons of God. Et il les appelle les étoiles du matin. And he called them the morning stars. Les étoiles du matin. The morning stars. Ce sont des termes appliqués aux anges. They are terms applied to Ce sont angels. Des appellations appliquées aux anges. They are calling of angels. Ils sont appelés les fils de Dieu. They are called sons of God. Et les étoiles du matin. And the stars of the Somebody morning. Shout hallelujah. Hallelujah. Oh, dis-le à haute voix, hallelujah. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, when you read from Revelation 12, le verset 7, verse 7, vous allez voir ce qui se passe. You see what happened. Amen. 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 Allons-y dans Apocalypse chapitre 12. Si tu as ta Bible avec moi, suis-moi attentivement. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller en profondeur afin de pouvoir faire tomber les écailles qui étaient encore dans vos yeux sur la notion de la paternité. Afin que vous compreniez qui est un père. Qui est un père et qui n'est pas un père. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Oh, je n'ai pas entendu dire hallelujah. Hallelujah. Apocalypse chapitre 12. Revelations 12. Est-ce que quelqu'un me suit? Je préfère qu'on commence à partir du verset 3. On va laisser le verset 7. Là-bas, ça parle de la guerre. Verset 3. Apocalypse chapitre 12, le verset 3 et le verset 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, le grand dragon rouge, c'est Satan. Le okay? dragon here is Satan. Amen. C'est Satan qu'on présente là-bas. It is Satan presented. Malheureusement, aujourd'hui, les gens célèbrent la fête des dragons en Chine. The people celebrate the feast of dragon la fête in China. Des dragons veut dire seulement la fête de Satan. The feast of the dragon means the feast of Satan. Malheureusement, les gens festoient. Unfortunately, the people ils célèbrent une fête appelée la fête des dragons. They celebrate a feast Ceux qui of the sont feast les auteurs de cette fête connaissent qui ils adorent. The authors of that feast Mais après leur mort, worship. Les générations qui sont venues dans l'ignorance ne connaissent pas. The generation that came et continuent à célébrer la fête des dragons. They continue to celebrate the feast of dragons. Comme la fête d'Halloween. As the feast of Halloween. La fête d'Halloween, c'est la fête aussi de Satan qui est dans la société sorcellerie. C'est la fête des sorciers qui célèbrent Satan à la période. The feast of witches that celebrate Donc nous Satan. Avons ça beaucoup. Vous avez la fête des masques au Bénin, de Vaudou. C'est en fait la fête de Satan également. It's the feast of Satan Mais ça change also. De nom par pays et But par continent. In Mais c'est la même personne qui est festoyée, qui est célébrée. The same person that is being celebrated. Le porteur de masques. Le porteur de masque, les diables. Le devil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardons, allez-y, pasteur. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Oui. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraînait combien? Le tiers des étoiles du ciel. Vous êtes avec moi? La queue du dragon entraînait combien? Le tiers des étoiles du ciel. Maintenant, quand vous lisez, vous allez penser que Satan a fait descendre. When you read, you think la Bible dit, il a fait entraîner les tiers des étoiles et il a fait quoi? Où? Du ciel.
et les jeter sur la terre. Mais quand vous regardez, vous allez penser que quand Satan a bougé sa queue, que les étoiles sont tombées du ciel. Aucune étoile n'est tombée du ciel. No star fell from heaven. Aucune étoile que vous voyez la nuit là n'est tombée None du ciel. Of the stars you see in the night fell Mais from Dieu heaven. Est en train de parler ici. But God is talking here. La queue et la ruse. The tail is the craftiness. C'est ce qu'on appelle arum. It's what we call arum. Dans la langue araméenne et la langue hébreu. In the Hebrew and Aramaic Par language. La rume de Satan. By the arum of Satan. Par la ruse de Satan. By the craftiness Il a réussi of Satan. À convaincre un tiers des étoiles. He succeeded in convincing qui sont appelés les fils de Dieu ou les étoiles du matin. That are called the sons of God. Les anges. Stars, the angels. Donc il a réussi à entraîner un tiers des anges so he succeeded in taking a pour les rejoindre dans sa rébellion. So join him in his rebellion. Et ce sont ces anges-là angels, qui vont devenir plus tard later, de puissances de ténèbres, powers of darkness, de dominateurs dans le monde des ténèbres dominion qui travaillent avec Satan. That works with et Satan. Quand Dieu les a chassés, and when God cast them down, et les étoiles et Satan, Satan ont été chassés sur la terre. We are cast C'est ce que le verset 4 veut dire. This is what Donc les étoiles du ciel, so the stars of heaven, c'est les anges. Are angels. C'est pas les étoiles que vous voyez briller la nuit. Not the stars that you see shining in the night. Somebody say amen. Amen. Maintenant, même Satan. Now even Satan. Puisqu'il s'est rebellé. Because he rebelled. Il est devenu le père de tous les rebelles. He became the father of all rebels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est devenu le père de tous les pécheurs. He became the father of all sinners. Il est devenu le père de tous les menteurs. And the father of Donc all même liars. Satan aussi, il est so l'auteur Satan d'un mouvement. Il est le père d'un mouvement. Movement. Il est l'auteur, il est le père du mouvement du péché. He is the father of the movement of sin. Ce sont des termes qui sont dans la Bible. There are terms in the Bible. Jean chapitre 8 verset 44. John 8, 44. Jésus dit aux Juifs. Jesus said to the Jews. Vous n'avez pas Dieu pour père. You don't have God as Jean your father. Chapitre 8 verset 44. John 8, 44. Jésus dit votre père c'est le diable. He said your father is the Parce devil. Que vous accomplissez ses mauvais desseins. Because you accomplish his evil plans. Allez-y pasteur. Vous avez pour père le diable. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Dis après moi, même Satan c'est un père. Même Dis-le après moi, même le diable c'est un père. Saving the devil is a father. Maintenant, il est père parce qu'il est l'auteur d'un mouvement. He's a father because he's the author. Quel est ce mouvement? Le mouvement du péché. Dis après moi, le mouvement du péché. Le mouvement du péché. Oh, je n'ai pas entendu. Dis après moi, le mouvement du péché. Le mouvement du péché. Dis-le encore à haute voix, le mouvement du péché. Mouvement du péché. Il est le père du mouvement du péché. Is the father of the movement of sin. Allez-y, pasteur. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Oui. Il parle de son propre fond. Oui. Car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et il est le père de qui? Mensonge. Il a établi un mouvement de mensonge. Alors, yes, quiconque ment. So whosoever lies. Satan est son père. Satan is his father. Pose la question à ton frère. Ask your brother the question. Qui est ton père? Who is your father? Oh non, je n'ai pas entendu dire. Pose la question Who à ton is frère. Your father? Qui est ton père? Dis-lui encore, qui est ton père? Est-ce que c'est Satan ou bien c'est Dieu? Satan or God? Est-ce que tu mens ou bien tu dis la vérité? You lie or you say the truth? Est-ce que tu mens dans la vérité ou bien c'est dans le mensonge? Si quelqu'un vit dans le péché, qui est son père? Is living in sin, who is his father? Si quelqu'un continue à faire la fornication, à prendre l'alcool, à prendre la chambre, qui est son père? Si quelqu'un continue à voler, qui est son père? Parce que la Bible dit le diable ne vient que pour faire quoi? Voler, détruire et tuer. Mais si toi tu fais ça, qui est ton père? Donc vous verrez que même dans l'église, il y a beaucoup de fils de Satan. Mais ils sont assis avec l'habillement des chrétiens. But they are sitting with the clothing of Christians. Dieu des miracles, c'est when mon papa. Dieu dit, ah, je ne suis pas ton père. Moi, father, ah, say, no, I'm not your moi father. Je ne suis pas en tout cas ton père. I am not your father. Somebody say amen. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Glory Donc vous avez compris. So you've understood. Donc la notion parentale n'a pas commencé aujourd'hui. So parental notion did not begin Ça a commencé today. Au ciel. It started in Maintenant, heaven. Dans Job chapitre 2, in Job chapter 2, le verset 1,
verse 1, tous les anges sont appelés fils de all Dieu. The angels are called sons of il y avait une réunion là-bas au ciel. There was a meeting there. Et dans in cette heaven. Réunion, on devait débattre meeting, des choses importantes. We have to debate on important regardez things. Ce que la Bible dit. Let's see what the Bible says. Or les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Dis après moi les conseils au ciel. Donc tous les fils de Dieu, les anges, sont venus dans un conseil que Dieu avait convoqué. Ils se présentèrent. On ne nous a pas dit ils débattaient de quoi. Mais ils étaient en train de délibérer sur quelque chose. Alors tous sont venus. So all of mais là, them came. Comme Satan était autrefois fils de Dieu, so since Satan was otherwise son avant de devenir of God, Satan, before becoming Satan, il avait l'habitude de participer au conseil. He was used to participating in the council. Maintenant qu'il est devenu Satan, now that he has become Satan, parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé en ce moment-là, because the blood of Jesus was not yet shed, donc il a aussi pensé qu'il pouvait participer à la réunion. So he thought he could also participate. Alors lui aussi s'est présenté. So he presented himself. Et les anges ont reçu l'ordre, ne l'empêchez pas de se présenter. And the angels received order not to hinder him. Et quand il s'est présenté, le seul himself, parmi tous les anges qui a été angels, appelé Satan. He was the only one called tous Satan. Les anges sont appelés fils de Dieu. All the angels are sauf lui, on dit, God. Et Satan s'est présenté aussi. They said, and Satan was also cela present. Veut dire, on ne le reconnaît plus au ciel là-bas comme it le fils de Dieu. They no longer acknowledge him in heaven as son et comme of je God. L'ai dit, le mot Satan veut dire adversaire. And as I told you, the word Satan means et après moi, le mot Satan veut dire adversaire. Me, the word Satan means an et le mot Satan veut dire opposant. And an opposer. Le mot Satan veut dire quoi? Donc tous les opposants que vous avez là, so all the ils portent à un nom qu'ils ne connaissent pas l'origine. They bear a name that they don't know the la origin. Vraie signification du nom opposant veut dire Satan. Significance of opposer. Donc vous avez des Satan. Petits Satans dans la politique. So you have little Satans in politics. Yeah. Hein? Vous avez des petits Satans dans la politique. You have little Satans in politics. Ils s'opposent à tout. They oppose to même ce qui est bien. Even that which is good. Ils s'opposent. They oppose. Même ce qui peut contribuer à l'avancement du pays. Even that which will contribute to the advancement of the nation. C'est le petit Satan. They oppose. It is small Satan. Il y a small Satans. Ils ont les pères. And they have their father. Et même dans les familles. And even in ceux families, qui s'opposent à l'élévation de leurs membres de famille. Those that opposes to the elevation of their family members. Ils jouent le rôle de Satan. Ce sont des petits they Satan. They are playing the role of Satan. Même dans le ministère. Even in ministry. Ceux qui mettent les bâtons dans les roues des autres pasteurs, des autres leaders pour qu'ils n'avancent pas. Those ce sont des petits Satan. Put rods on the way for to hinder other pastors from advancing. Pose la question à ton frère. Tu es petit Dieu ou bien tu es petit Satan? Are you a small God? Ask your brother. Are you a small God or a small Satan? Non, non, regarde ton frère, pose la question. Look at your brother and ask. Tu es petit Dieu ou bien tu es petit Satan? Are you a small God or a small Satan? À chaque fois tu t'opposes à ce que Dieu veut faire à l'égard de ton frère. Whenever you oppose to what God wants to do for your brother, tu joues le rôle de Satan. You are playing the role opposant. Of Satan. An opposer. Adversaire. An adversary. Amen. La Bible dit, et Satan vint aussi. Lisez, the Bible says, and Satan also came. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Deux là-bas, c'est deux apostrophes E-I-X. E, c'est les fils de Dieu. Maintenant, Satan est venu au milieu d'eux. Here it is said, Satan was in their midst. Lui seul est appelé Satan. He alone is called Satan. Tous les restes sont appelés fils. All the others are called sons. Est-ce que nous tous ici nous sommes fils de Dieu? Are we all here sons of God? Si tu es fils de Dieu, élève la main. If you are a son of God, lift up your hand. Baisse la main. Wing it si down. Tu es fils de Satan, élève if la you are main. Son of Satan, lift up your hand. Ah, et pourtant il y en a. Hein? We are asked, they are asked. Mais quand on dit ça là, on va pas se montrer. Oh. But when we say this, we will not. Tous les sorciers sont des fils de Satan. All the witches are sons of Satan. Et ceux qui vivent encore dans le péché sont fils de Satan. Are sons donc of la Satan. Notion parentale n'a pas commencé aujourd'hui. So parental notion did not begin. Ça a commencé today. Au ciel. It began in heaven. Dieu est considéré par les anges comme le Père. God is considered by et Dieu angels considère as les the anges Father. Comme ses fils and God considered parce qu'il the angels les a créés. As his sons because he created amen. Them. Amen. Maintenant, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, now in the Bible, from the Old Testament, Adam est considéré comme le Père de toute l'humanité. Is considered as the father of all humanity. Cela veut dire quoi? Le premier créé. It means the la first, première créature, the first creature, le premier ancêtre the first de toute l'humanité. Of all humanity. Donc ça fait d'Abraham, Adam, so le père de l'humanité.
Adam, Dieu a créé un seul homme. God created one et dans cet homme-là, il a mis toute l'humanité en lui. And in that man, he placed the entire et lui a donné humanity. La femme and he gave him the woman. Par laquelle l'humanité va sortir. Through which humanity should nous come. Tous, que nous soyons Chinois, all of us be the Chinese, nous soyons Guinéens, Guinea, Américains, Malinqués, Peul, nous avons qu'un seul ancêtre. We have just one ancestor. Adam. Adam. Il est notre père. He is our father. Il est le premier humain. He is the first human que Dieu avait créé. That God created. Amen. Amen. Et maintenant, quand nous sommes nés, now when we are born, nous sommes nés à l'image de Chi. We are Adam. Born in the fallen image of Adam. Maintenant, dans Genèse chapitre 4, now in Genesis chapter 4, le verset 20, verse 20, la Bible nous présente quelque chose que nous devons comprendre. The Bible presents us something we should understand. La Bible nous présente la photo ou l'image d'un ancêtre. The Bible presents us the image of an ancestor. Le premier ancêtre de la tribu. The first ancestor of Israel. Et de mouvement. And a movement. Dans Genèse chapitre 4. In Genesis chapter 4. Maintenant, suivez-moi, verset 20 et le verset 21. Allez-y, pasteur. Ada enfanta Jabal. Dis après moi, Ada. Dis après moi, Ada. Ada. Qui a entendu parler le nom de Ada? Who have heard of the name Ada? Ada. Qui est Ada? C'est une chantre au Nigeria. Donc le nom là n'a pas commencé au Nigeria, ça a commencé dans la Bible ici. So that name did not begin in Nigeria. It started Ada here. Était la maman de Jabal. Ada was the mother of ou de Jabal. Or Jabal. Ada était la maman de qui? Je n'ai pas entendu. Ada était la maman de qui? Who was the mother of maintenant, Ada? Ada était la femme de Lémec, le premier polygame sur la terre. She was the wife of Lamech, the first polygamous. Dis après moi, Ada était la femme de Lémec, was the wife of Lamech, le premier polygame. The first polygamous. Donc, qui est le père de la polygamie? So who is the father of polygamy? Lémec. Qui est le père de la polygamie? Who is the father of polygamy? C'est Lémec. It's Lamech. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Is someone receiving me? Donc, si vous ne savez pas d'où vient la polygamie, so if you don't know where polygamy, il y a un père de la polygamie. There is a father of il y a quelqu'un polygamy. Qui a commencé le mouvement de la polygamie. There is someone that started the movement sa femme of polygamy. S'appelait, une des femmes s'appelait Ada. One of the wife was called Ada. Et lui s'appelait Lamech. And he was called Lamech. Et un de ses fils s'appelait Jabal. And one of the sons was called Jabal. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et je n'ai pas entendu. Dis amen. Amen. Ou dis amen à haute voix. Amen. Allons-y. Donc, si quelqu'un est polygame, if someone is a polygamy, dis-lui seulement, tu es en train de reproduire l'image de Lamech sur la terre. Reproducing the image of Lamech on earth. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Genèse chapitre 4, verset 20 à 21. Adam enfanta Jabal. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. La Bible appelle Jabal le père de tous les bergers. C'est pas moi qui le dis. It's not me that on dit il fit le père de tous qui vivent sous les tentes. The Bible says the father of all those that dwell in tents. Le nom de son frère. Non. Jabal fit le père. Et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes. Oui. Et près des troupeaux. Près des troupeaux. Cela veut dire c'est le père des bergers. Dis après moi, Jabal a commencé le mouvement des bergers. Jabal started the movement après la mort d'Abel. After the death of Abel. Amen. Amen. Donc, après la mort d'Abel, so after the death of il y a Abel, quelqu'un qui a développé ce mouvement-là. There is someone that developed that movement. Le mouvement des gens qui vivent sous la tente et tout près de leurs brebis. People that live under tent. Il s'appelle Jabal. Et Jabal est appelé le père. So Jabal, and Jabal is called la Bible the a dit ça. Ça veut dire quoi? Le premier. It means the first. Le fondateur. The founder. L'auteur. The author. De cette société-là. Of that society. De gens animés par le même esprit. People animated by the quel same esprit? Spirit. Which l'esprit spirit? De vivre sous les tentes auprès des brebis. Living under tents beside the sheepfold. Donc la Bible parle de père ici. So the Bible talks of father here. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand? Quelqu'un dit non, père, ça n'existe pas dans la Bible. Jésus oh, a dit, il ne faut pas appeler quelqu'un père. Vous devez Jesus comprendre dans quel not contexte. Call someone father. You should understand the context. Il faut comprendre dans quel contexte. You should understand sinon vous allez taper à côté. Comment le même Jésus qui va dire aux gens de ne pas appeler telle personne père, how comment il va Jesus? Dire encore, comment pouvez-vous demander à vos pères méchants qu'ils sont, de vous donner du pain, ils ne vous donnent pas de serpent.
Il vous donne du pain. Comment maintenant Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit? Il a appelé les pères biologiques de ces gens-là, pères. Maintenant, s'il voulait interdire aux gens de ne pas appeler les gens pères, pourquoi il doit encore faire des références au Père? How can we say Jesus said? C'est la mal compréhension des Saintes Écritures. How can we say Jesus said not to call someone father? We are asked in the Bible, he asks the people, how can you be so wicked as you are? You ask your father for bread and he give you stone, or you ask him for fish and he give you serpent. There he was referring to their biological father. Vous devez comprendre que le mot père veut dire créateur, fondateur, auteur. You should understand that the word father means creator, founder, author, source. C'est très important. It is very important. Alors vous devez le comprendre dans le contexte. So you should understand the context. Amen. Donc Jabal, so Jabal était le père de tout ce qui vit sous les tentes auprès des bétails. Verset 21, pasteur. Le nom de son frère était Jubal. Dis après moi, Jabal, son frère s'appelait Jubal. Suivez-moi ici. Jabal avait un frère qui s'appelait Jubal. Jabal had a brother called Jubal. Donc tous deux sont les fils de Ada. They were all sons of Ada. Quelqu'un a compris? Tous deux sont fils de qui? Ada. Et Ada est femme de qui? And Ada was wife of... Femme de qui? Le mec. Et le mec est qui? Le père de polygame et de la polygamie. Amen. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Somebody shout, I hear you. Oh, je ne l'ai pas entendu dire, I hear you. Dis-le à haute voix, I hear you. Maintenant, vous devez comprendre que la mec est le descendant de Caïn. You should understand that Lamech is the descendant of Cain. Ce n'est pas le descendant d'Abel. It's not the descendant of Abel. Regardons ici. Let's see. Verset 19. Verse 19. Verset 19. Lémec prit deux femmes. En anglais, dit Lamech. En français, c'est Lémec. Lémec prit deux femmes. Oui. Le nom de l'une était Ada. Le nom de l'une était Ada. Et le deuxième? Et le nom de l'autre, Shiba. Zila. Zila. Dis après moi, Zila et Ada. Zila et c'était Ada. C'est la première personne dans l'histoire. It's the first person in history. Même Caïn n'a pas pris deux femmes. Even Cain did not take two wives. Ok, je sais qu'on vous donne, on vous pose question, mais si... Il y avait que Caïn et Abel. Maintenant, quand Abel est mort, Caïn a eu femme où? Hein? Now, if we should ask the question, there was only. Ok, on va pas parler de ça. Abel. Hein? When Abel died, where did Cain? Qui s'est déjà posé cette question là? Who have asked soyez that sincère. Question? Be sincere. Ah, donc, ok, papa, toi tu connais la femme de Caïn, c'était qui? Who was the wife of Cain? Celui qui n'a pas répondu là, qui n'a pas levé la main. Frère, toi tu connais. Oui, donne-moi la réponse. Respond. Qui était la femme de Caïn? D'où elle est venue? Parce qu'Adam n'avait que Caïn et Abel. Maintenant, Abel est mort. D'où était venue la femme de Caïn? Comment Caïn va se marier? D'où était venue-t-elle? Ah. Ok, qui est sincère? Qui s'est déjà posé cette question là? D'où vient la femme de Caïn? Sincère, on lui a déjà posé cette question d'expliquer d'où vient la femme de Caïn. On t'a posé cette question là et tu as eu chaud. Et c'était la question que tu avais posée à ton pasteur. Hein? De demander à son pasteur. Ah, que tu allais poser la même question à ton pasteur. Maintenant, tu ne m'as pas posé ça. Mais je vais te répondre. Somebody say amen. Maintenant, vous devez savoir. You should know. Quand Adam a quitté le jardin, when Adam left the garden, il n'avait pas encore d'enfant. Dans le jardin, il n'avait pas d'enfant. In the garden, he had c'est no à la sortie qu'il a commencé à avoir des enfants. Left the garden that they began to produce children. Maintenant, parmi les enfants qu'il a eu dans and l'ordre de la naissance, that they have, le premier était Caïn et Abel. The first was Cain and Abel. Est-ce que vous comprenez? Mais à part ses fils et Caïn et Abel, il avait des fils et des filles. He had sons and daughters. Genèse chapitre 5. Genesis chapter 5. Verset 3. On peut commencer à partir du verset 2. Genèse chapitre 5, verset 2 et le verset 3. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme, oui. Il les bénit. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Oui, c'est-à-dire du nom humanité, anthropos en grec, oui. Adam, âgé de 130 ans, après sa sortie du jardin, âgé de 130 ans, oui, engendra un fils à sa ressemblance. Donc, à part
Caïn et Abel, il engendra un fils à sa ressemblance. Oui, selon son image. Selon son image. Et il donna le nom de Seth. Il lui donna le nom de Seth. Somebody say amen. Amen. On voit ici, à part Caïn et Abel, we see here besides Cain and Abel, il y avait un fils appelé Seth. A son called Seth. Somebody say amen. Amen. Je n'ai pas entendu dire après moi amen. Amen. Continuez, pasteur. Verset 6. Verset 6. Tu peux commencer. Allez-y au verset 5. Allez-y. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Oui. Puis il mourut. Oui. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Oui. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Somebody say amen. Amen. Dis après moi amen. Amen. Adam n'avait pas seulement Caïn et Abel. Adam did not only have Cain and Abel. Adam avait aussi d'autres fils. He had other sons. Comme Seth. Like Seth. Et il avait aussi des filles. And he also had daughters. Maintenant, suivez-moi. Now follow selon me. La coutume juive. According to the Jews' custom. Suivez-moi ici. Selon la coutume juive. According to the Jews' custom. Eve a eu 45 enfants. Eve had 45 children. Ah. Dis après moi 45. Say after me 45. Quand vous lisez votre Bible, when you read your Bible, on résume les choses. They summarize things. Parce que si on doit donner tous les détails, if they should give all the details, votre Bible, vous allez prendre ça, mettre dans pouce-pouce pour you conduire. Take your Bible and put it in a wheelbarrow. Mais quand vous allez dans le manuscrit juif ancien, when you go into the Adam et Ève ont eu 45, 45. Eve had 45 fils. Children. Parmi ces 45, il y avait des filles et des fils. Among the 45, there were sons and daughters. Maintenant, dans les temps, il était permis. Now, in those times, it was permitted. Comme dans la famille d'Abraham. Like de pousser, de prendre femme dans sa famille. To take a donc, wife Caïn a pris dans sa famille. So Cain took from his une de ses sœurs. One of his sisters. Quelqu'un dit, Ah, j'ai pas entendu. Toi, mais il faut dire, Il faut dire ça bien même, Il a pris une de ses sœurs. He took one of his sisters. C'est parce que maintenant, nous avons plusieurs familles. It's because now we have many il faut maintenant families. Prendre dans une autre famille, n'est-ce pas? To take from another family. Il faut pas aller prendre ta sœur parce que tu vas dire, Caïn a pris sa sœur. Donc, pasteur a prêché ça. Et tu vas aller dire à ta sœur, moi je t'aime, je vais t'épouser. Tu viens avec femme comme ça, je te tape la tête bien. Parce que toi, tu es méchant. Somebody shout, I hear you. Oh, glory be to God. Est-ce que quelqu'un a compris? Has someone understood? Donc, c'est très important ce que so nous partageons. Very important what we are sharing. Et je crois que le Seigneur va ouvrir votre intelligence. And I believe that the Lord will open your intelligence. Dis amen. Amen. Oh, je n'ai pas entendu. Dis amen. Balance la main. Dis merci Seigneur. Wave your hand, say thank you. Dis-le encore merci Seigneur. Say thank you Lord. Dis-le encore merci Jésus. Thank you Jesus. Dis-le à haute voix merci Jésus. Thank you, Jesus. Dis-le à haute voix, merci Jésus. Say, thank you, Jesus. Donc c'est très important de comprendre ça. Very important to understand. À part Caïn, besides Cain, il y avait d'autres fils. There were other sons, et il y avait des filles même qui étaient nées. Another daughter. Maintenant retournons dans ces points, ok? What we are donc ne faut même pas vous embrouiller. Maintenant, donc il y a Jabal et Jubal. Jabal est le père de tous qui vivent sous la tente. Jabal is the father of all those that live under the appelez les bergers. Maintenant, Jubal est le père de qui? Verset 21. Verset 21. Jubal. Jubal is the father of who? Verset 21. Genèse chapitre 4. Jubal était le père. Le nom de son frère était Jubal. Oui. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Dis après moi le père des musiciens. Le père des musiciens. Qui est le père des mouvements musicaux? Who is the father of the musical sur la terre? On earth? C'est Jubal. Jubal. La Bible a bien appelé le père de tous ceux qui jouent à la harpe. The father of all those that play the harp. Maintenant, vous devez savoir quel type de musique là-bas. And you should know parce what que Jubal et Jabal, c'est le fils de Ada. They are the sons of Ada. Co-épouse de Zila. Wife of Zila. Toutes deux femmes de Lamech. Et Lamech descendant de Caïn. Wife of Lamech.
descendant de Caïn. The descendants of Cain. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu avait maudit Caïn. Now you should understand that God cursed Cain. Mais il n'est pas mort sur place. But he did not die at the il a spot. Vécu après des années. He lived for years. Mais sa famille portait une malédiction. But the family was carrying a curse. Quelle musique il jouait ici? Now which music was c'est la musique que vous voyez quand quelqu'un meurt, on joue. Music, you see, when people die, c'était la musique pour entretenir les gens. That was the music to entertain people. Musique pour chanter la nature, music to sing, chanter la femme. Sing about ça a commencé avec les gens là. It started with those hein? Oh, ta beauté, c'est comme le soleil. Oh, tu es belle. Quand tu marches, tu marches. Zakalis, like a dad. Like a this, like a dad. Hein? Ça a commencé avec les enfants de Adam. Est-ce que quelqu'un a compris? Have someone understood? Quand ils voient femme, ils vont chanter they la beauté de la woman, femme. They will sing the beauty ils voient of la ligne, ils voient, ils chantent la beauté moon, de la ligne. They will sing the beauty of the moon. Ils voient l'homme. Parce que they femme va chanter pour l'homme, because l'homme va chanter pour femme. Maintenant, vous devez savoir que leur musique n'adorait pas Dieu. That their music did not worship leur musique adorait la nature. Their music maintenant, qui se cache nature. Derrière la nature? Now, who is hiding behind corrompu, nature? Le diable. The devil. Ah, c'est là-bas, la musique à l'honneur de Satan, that is where music to the heart est née of Satan, it was born. Dans la famille de Caïn. In the family of quand vous allez chez le Karamoko ou le féticheur, hey, yo, yo, hey, yo, yo. Il fait des incantations. Ça a commencé avec Jubal. When you go to the juju priest, they make incantations. Il y a même nos musiciens aujourd'hui qui chantent à l'honneur de Satan, sans avoir peur. Musicians that sing to honor Satan with ils chantent à l'honneur des déesses démoniaques. They sing to the qui leur a donné la richesse et l'argent. To give them money and riches. Vous avez entendu parler de la chanson Maria Valencia. We heard of the song hey, Maria Valencia. Maria Valencia. Hey, hey, hey. Toi, ton visage, Maria Valencia. Hey. Ça brille comme le soleil du matin. Et puis, like et pourtant, Maria Valencia, Maria c'est Valencia une sirène des eaux. It's a mermaid. Aïe, aïe, aïe. C'est l'esprit que nous appelons Astarté. It's a spirit called Astarté. Se présente ni tenant le serpent à droite. Holding a serpent on the right, et tenant la, un arbre à gauche and a tree on the left, qu'on appelle Lily, that is called Lily. La fertilité et le sexe. Fruitfulness et elle est considérée sex. Comme la déesse de la guerre. And it is considered as a goddess. Elle existe. It exists. Et les démoniaques, les gens qui sont dans le monde occultiste, ils connaissent. Elle and donne la voix pour chanter. Elle donne la beauté. Beaucoup de musiciens sont partis là-bas pour faire un contrat avec elle. Many musicians went there to make a contract. En retour, tu vends ton âme. You sell your soul. Ça a commencé avec Jubal. It started with Jubal. Ça a commencé avec qui? Vous voyez des chansons. You see songs. Quelqu'un chante. Qui a suivi le film de Marima? Who? Marima. Watched the film Marima. Quand le film commence au début, when the film begins, vous allez voir, elle sort de l'eau avec le nageoire. Out of the water. C'est une information. It's an information. Que ceux qui sont derrière ce film, that those behind that film sont en train de faire la publicité de l'entité démoniaque qui soutient ce film-là, avec qui ils ont fait contrat. Of the demonic entity with whom they have the et c'est concert. Pourquoi dès que ça commence, that même la maman a bébé, elle va oublier son bébé pour tuer Marima. A mother have a child, she will forget her baby to même si vous êtes avec votre mari en train de parler, tu vas oublier ton mari pour tuer Marima. Il y a une influence démoniaque. There is a demonic influence. Dès que Marima commence, c'est comme s'il n'y a plus de gens dans les quartiers. It's like there are no people in the community. Et c'est Marimar là, on adore. On a chanté ses mains, non? On doit l'appeler Mami Wata. On dit ses mains Marimar. Et toi, tu dis Marimar. Et puis tu prends ton enfant, tu lui donnes le nom Marimar. Parce que le film là est bon, la femme là est belle, Marimar. Dans le film là, Marimar détruit les mariages des gens. Marimar in the film is destroying the marriages of people. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to puis après moi, tout a commencé avec la famille de Caïn. See, after me, all started with the family of Cain. C'est pourquoi quand Dieu a trouvé David, that is why when God found David, l'homme selon son cœur, the man after his heart, qui chantait devant les moutons, that sang before the sheep, l'Éternel est mon berger, the Lord is my je ne manquerai de rien. Dieu dit, voilà quelqu'un au moins qui fait mon plaisir. Look at someone that pleases me. Parce que les Jubal. Because Jubal. Il y a beaucoup de Jubal en Guinée. There are many Jubals in Guinea. Hey, c'est boum boum boum, c'est Jubal. It's Jubal.
Et on vous montre ça à la télé chaque jour, and chaque they show matin. You every day on the TV. Le Joubal, quand la musique danse, when ils, their music ils vont plays, danser. They dance. C'est ici, ils vont faire, c'est Joubal. Joubal. Joubal va s'habiller moitié nu. Joubal will dress. Parce qu'il faut influencer naked. Les gens qui suivent. So he wants to influence people. Pour introduire un démon. To introduce a demon. Qui contrôle les désirs sexuels. That controls sexual desire. On l'appelle Asmodi. It is called Asmodi. Les démons qui contrôlent les désirs impurs. The demon that controls. Et pendant que vous regardez comme ça, and whilst you are looking, à la fin vous sentez l'envie d'aller faire end, la fornication. You feel like going. Parce que Asmodi s'est introduit. Because Asmodi. Parce que pendant qu'il danse comme ça, la personne qui est derrière, the person behind, c'est l'esprit chargé d'introduire l'esprit impie, les désirs impies, les désirs sexuels dans les hommes. C'est pourquoi les gens vont payer leurs billets d'avion. Seulement pour aller regarder quelqu'un qui danse à moitié nu. Jusqu'au point dans des certains concerts, la femme qui danse nu, elle appelle fan, viens. Et fan vient dire, allonge-toi, elle s'allonge. Et puis elle se déshabille, elle urine dans la bouche de fan. En plein concert. Et on trouve ça normal. Elle a uriné sur fan. She has urinated on her. Tu n'as pas vu ça? Haven't you seen? Tu n'es pas informé. You are not informed. Wow. Elle a uriné sur les fans. She urinated. Elle s'est déshabillée en plein concert. Et les fans sont contents. In the concert. Mon idole a uriné sur moi. My idol have urinated on me. Urine. Jesus Christ. Somebody say, I hear you. My goodness. Dis après moi, Seigneur, miséricorde. Say after me, Lord, mercy. Dis après moi, miséricorde. Say mercy. Et Satan sait comment faire les choses. Il ne va pas choisir des mauvais Satan garçons. Knows hein. How to do il va something. Prendre des beaux garçons. He will take handsome il va pas prendre boys. Des mauvaises filles, des he belles filles. Take ugly ladies, but pour les présenter. Ones to present them. Ils ont leur père. They have their father. Joubal. Jeff, c'est pourquoi. Il faut bien chanter. Il ne faut pas devenir Joubal après. Il faut bien chanter parce que le Seigneur va vous bénir. Est-ce que quelqu'un a compris? Dis à haute voix, merci Seigneur. Say thank you, est-ce que ça aide quelqu'un? Is it helping someone? Balance la main et dis, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi le mot Père. The word father a été utilisé également dans la Bible, was equally used in the Bible en référence aux actions de quelqu'un vis-à-vis de sa nation. With reference to the action of someone. Donc nous avons des pères nationaux so we have national fathers qui existent. That exists. Maintenant nous allons voir ça ensemble dans la Bible. Now we'll see it together in the Bible. Au temps d'Élisée, in the time of Elisha, Élisée était un père national. Elisha was a national spirituellement. Father, spiritually. Mais en Syrie, but in Syria, il y avait un homme appelé Naaman. There was a man called Naaman. Qui était un père national. There was also a national. Du point de vue armé. Du point de vue armé. With regards to the point of the army. Amen. Amen. Maintenant, dans 2 Rois, in Second Kings, chapitre 5, chapter 5, verset 13, verse 13, et le verset 14, and 14. Quand Naaman est venu chez Élisée, when Naaman came to Elisha, il avait la lèpre. He had lepros. Il voulait que Dieu puisse le guérir. He wanted God to heal him. Et il a appris qu'il y a un homme de Dieu, and he learned that un there was père national, a national father, que Dieu utilise, un prophète. That God uses, he's a prophet. S'il va là-bas, if he goes Dieu there, va le guérir. God will heal him. Alors quand il est arrivé, when he went, Élisée a dit, Elisha said, moi je ne sors pas. I'm not going parce que out. Dans l'orgueil de Naaman, because in the pride of Naaman, Naaman a envoyé les gens pour dire à Élisée, sent people to tell Elisha, dis à Élisée votre maître, tell Elisha your master, que le capitaine de l'armée d'Assyrie est là. The captain of the il n'a qu'à sortir armies, et prier pour moi et je serai guéri. For me and I will be healed. Quand Élisée a pris ça, when Elisha il a vu l'arrogance. He saw arrogance. Il dit, dis-lui aussi. He said, tell donc lui aussi also. Il a envoyé les messagers. He also il dit, va dire à Naaman, je ne sors pas. I'm not going mais il n'a qu'à descendre son so cheval et aller se jeter sept fois dans la rivière de Jourdain. Et s'il sera guéri. Naaman attendait que Élisée puisse descendre de la maison et faire une carouille guéri. Élisée dit non. Elisha said no.
Il n'a qu'à descendre. Let him come down. Alors, dans son arrogance, so in his arrogance, il a dit à ses serviteurs, he said to his servants, allez dire à Élisée, go and tell Elisha, on a des rivières plus meilleures que la rivière de Jourdain. Better rivers than that of Jordan. Comment il peut même pas sortir pour me saluer? How can he not even come out to greet me? Il me demande d'aller me plonger sept fois dans la rivière. So go and dip myself seven times. Est-ce que nos rivières qui sont en Babylone, our rivers en Syrie, Babylon, ne sont pas meilleures que ça là? Are they not better off than je ne descends pas. I'm not going down. Un de ses serviteurs and one of his servants va lui parler. Spoke to regardez him. Comment les serviteurs militaires appellent Naaman. Let's see how the military servants call Naaman. Allons-y, pasteur. 2 Rois chapitre 5, le verset 11. 2 Rois chapitre 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Ses serviteurs l'approchaient pour lui parler. Et ils dirent. Et il dit. Mon père. Ils ont dit mon père. Ils ont appelé Naaman mon père. He called Naaman my et après moi mon père. Mon père. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not begin today. Ça c'est dans les services militaires. This is in military service. On va voir ça. Il dit mon père. He said my father. Si le prophète tu demandais quelque chose de difficile. Oui. Ne l'aurais-tu pas fait? Oui. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Oui. Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il descendit alors et se plongea sept fois dans sept le Jourdain. Sept fois dans la rivière. Et selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Ce matin, tu ne retourneras pas comme tu es revenu, tu es venu ce soir. Tu ne vas pas retourner comme tu es rentré ici. Amen. Quel que soit ce qui t'avait suivi ici, maladie, problème, en sortant d'ici, tu sors libéré au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et retourner comme tu es rentré. Non, pas du tout. Il est venu auprès de l'homme de Dieu. Au retour, la lèpre l'a quitté. Mais comment on l'a appelé? Mon père. Dis après moi, mon père. Maintenant, pourquoi on l'a appelé mon père? Now, why was he called allons-y au verset father? 1. Let's go to verse 1. Toujours le même chapitre. Naaman, chef de l'armée du Naaman, chef de l'armée de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Pourquoi? Est une grande considération. C'est une grande considération. Pourquoi? Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc il était devenu le père de la Syrie. So he became the father il avait cette of considération, ce privilège. He on l'appelait le père de la nation was called the father syrienne of the nation. Parce que c'était par lui because it was through que him Dieu God a amené la délivrance, la victoire victory sur les ennemis qui combattaient contre Syrie. À cause de ça, that, il avait le privilège. He had privilège. Il avait la considération de sa nation. Et cette considération a fait de lui un père. And that consideration made him a father. Donc nous avons des pères nationaux. So we have national fathers. Tels que Bishop Gomez en Guinée. Like Bishop Gomez, c'est un père. He's a father. Tu es Guinéen mais tu ne sais pas ça. You are a Guinean and you don't know this. Quand on s'est rencontré au Sénégal, when we met in Senegal, je l'ai vu avec sa mallette. I saw him with his il essayait de pousser ça. Je l'ai regardé, je dis évêque. He was trying to carry it. Tu me connais pas? I said, Bishop, il dit, je te connais. He said, I know je ne peux pas te voir prendre la mallette et puis essayer de pousser. Je vais t'aider. Laisse-moi t'aider. Let me help you. Mais comme dans en matière de voyage, well, since as we travel along, en matière de voyage, when it comes to traveling, when it comes to traveling, il faut être prudent. You have to be careful. Parce que quand tu donnes ta mallette à quelqu'un, but quelqu'un peut mettre quelque chose. Someone, donc, il a cette notion. There, il m'a dit, pasteur, non, c'est bon, c'est bon. Said, no, pastor, c'est pas seulement à cause de ça, mais à cause de son humilité aussi. Il ne voulait pas me si charger parce qu'il avait des bagages aussi. Because I was also having luggages. Et quand on est descendu, je lui ai expliqué, dit, je te connais. Et il m'a rappelé parce qu'on était au palais. Le jour où j'ai eu l'opportunité de diriger la prière, quand je suis descendu, c'est au culte commun, il m'a dit, waouh, ça fait longtemps que j'ai prié ce genre de prière. Chaud! Ça fait longtemps! J'ai aimé la prière, j'ai dit, amen. C'est un père dans cette nation. Même quand il s'agit de problèmes politiques, c'est parmi les pères qu'on appelle pour venir s'asseoir, pour donner son point de vue autour d'un sujet. Mais Guinée ne connaît pas comment considérer ses pères. Comment honorer ses pères. How to honor their fathers. Si la Guinée connaissait if Guinée knew que ce sont des pères nationaux, that they are national on les mettait dans les meilleures conditions. They will put them in good conditions. Il y a de ces choses qui font que la Guinée ne décolle pas. There are things that make Guinée not to keep parce que, un, les chrétiens tuent leurs pères. Et deux, la nation tue leurs pères. La nation ne peut pas décoller. Kill their fathers. The nation cannot fly up. Qui
est celui qui peut se dire, je vais acheter une voiture pour Bishop Gomez, parce que c'est un père. Moi, je vais prendre soin de sa famille. Même le gouvernement qui peut dire, non, à cause de ce qu'ils ont fait, voici ce que nous devons faire. Mais on oublie ça. We forget it. Et ces gens souffrent. Et puis de leur action, de leur intervention pour apaiser les choses dans la nation. Ça peut bloquer le pays pour ne pas décoller. Vous me regardez comme si j'étais zombie. Dis amen. Dis alléluia. Ah! Tu ne connaissais pas ça, maintenant il faut connaître. You did not know this. Si vous voyez Bishop Gomez, honore-le. Respectez-le. Respect. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir être une bénédiction pour lui, faites ça. C'est un père. C'est un père. On va dire non, il est anglican. Moi, je suis protestant. C'est un père. Even though you are a protestant, he's an Anglican, he's a father. Ici, c'est un militaire. Hein? He's a military. Ici, Naman, c'est qui? Yeah, Naman, c'est un militaire. Mais on l'a appelé père. Or he was called father. Parce que par lui, Dieu a fait quelque chose pour les nations. Et la nation le reconnaît comme un père. Est-ce que nous reconnaissons les gens comme Bishop Gomez comme le père? Do we acknowledge people like Bishop Gomez as a father? Les bishops Okafo. Bishop Okafo. Ce sont des pères. They are fathers. Pour notre nation. Par rapport au réveil. With regards to revival. Apôtre Janvier qui est décédé. Apôtre c'est un père national. Au lieu de faire ce mouvement de réveil là-bas au Bénin, Dieu l'a envoyé ici. Il est mort ici. Après un grand travail. C'est un père. He's a father. Et vous avez apôtre Marcelin. And you have apôtre ce sont des pères they are fathers que Dieu a utilisé à l'époque de Shekinah, in the time of Shekinah pour bousculer les choses. To turn things over. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Aïe! Donc nous avons des pères nationaux. So we have national fathers. Nous avons le père des mouvements. We have fathers of movement. Par exemple, ici, for example, en Guinée, le mouvement de la délivrance. The movement of deliverance. Il n'y en avait pas. It was not here. Le père des mouvements de la délivrance ici en Guinée, il s'appelle Pasteur Chuma. Is called Pastor Chuba. C'est lui qui a amené le ministère des combats spirituels ici he's en Guinée. One that brought the ministry of spiritual war aujourd'hui, here. Il est en Hollande avec sa famille. Today he's in Holland with his family. Et mon mentor, Bishop Charles Okafor, a travaillé avec lui. Bishop Charles Okafor worked with him. Il avait son église à Concasser. He had his church at Concasser. Vers le marché là-bas. Around the market. C'est là-bas Mama Doré a eu la formation. That is where Mama Doré c'est là-bas évêque Doré a eu la formation. That is where Bishop Doré had his training. C'était le père du mouvement de la délivrance. He was the father of the movement of deliverance. Toi, tu ne connais pas ça, il faut connaître. You don't know it, you should know. Qui est le père du mouvement de délivrance en Guinée? Who is the father of the movement c'est of Pasteur Chuma. Dis après moi, Pasteur Chuma. Say after me, Pastor Chuma. C'était un Congolais, he was a Congolais que Dieu avait envoyé ici. God sent les gens priaient, Seigneur, nous avons reçu l'évangile, mais on a besoin. Envoie-nous quelqu'un qui fonctionne. Quelqu'un qui fonctionne dans ce domaine. Et Dieu va envoyer Chuma. Pasteur Chuma avec sa famille. With his family. Et c'est comme cela que le mouvement de délivrance a commencé. And that is beaucoup de personnes sont passées sous sa main pour apprendre many la délivrance. Passed through him to learn the c'est là-bas les gens ont appris le nom des démons Asmodi, le nom de plusieurs démons, the names of many et comment demons. Est la délivrance, c'est là-bas. To do deliverance is there. Maintenant, pour votre information, now, information que vous le croyez ou pas, whether you believe or not, Chuma est le fils spirituel de Mama Olangi Oshwe. Chuma is the spiritual son of Mama Olangi Oshwe. Mama Olangi Oshwe est la fondatrice. Elle est déjà morte. Elle était la fondatrice du mouvement appelé combat spirituel. Of the movement called spiritual warfare. Et Mama Olangi Oshwe. And Mama Olangi Oshwe. S'était soumise à mon pasteur, mon révérend, Dieu Mamu Tombo, comme son père. As her father. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Mama Olangi Oshwe était la fille spirituelle de Dieu Mamu Tombo, mon père. C'est dans son église que j'ai prié. It was in his church that I was. C'est son église que je suis venu ici. I came from his church to this place. Donc, je connais la notion de délivrance. Si tu me mets dans la révélation, je vais saccager les démons. Je connais ça. Scatter demons. Pas pitié, je connais ça. No mercy, I know. Parce que nous venons de là. Because donc quand vous êtes ici là, so when you are here, vous dites, non, nous ne sommes pas, hey, l'église n'est pas accessible à la délivrance. Hey, il y a délivrance ici. Deliverance. Nous on blague pas. Mais seulement nous, but for we, Dieu nous a shifté.
God shifted us dans le prophétique, in the prophetic, mais avec la délivrance. But with deliverance. Est-ce que quelqu'un a compris? Have someone understood? Et maintenant, nous voulons que cela soit correct pour que les gens and comprennent. We want it to c'est pourquoi be nous enseignons beaucoup. That is why we are teaching pour que vous puissiez comprendre. So on ne va pas vous citer les noms de tous les démons. We'll not mention all the mais on va vous citer les, tous les noms que Yahweh porte. But we'll mention all the names that Yahweh je n'enseigne pas la démonologie, mais j'enseigne plus la christologie. Parce que c'est lui que tu connais plus. Il va t'influencer plus. Hallelujah. Je connais ça. I know je connais à cette époque-là. I know those days. Tellement la notion des démons était beaucoup. The notion of demon was so much. Même les membres avaient peur. Even the members were afraid. Même souris quand ça passe. Even when a rat passes. On donne le nom, c'est un démon. They say it's a demon. Quand ça passe, on dit. When a cat passes. Donc les gens étaient plus conscients des démons. So people were more conscious. Que conscients de Christ. Than the. Alors le Seigneur m'a dit, toi, il faut so shifter. The Lord told me, you've shifted. Amener les gens à prendre plus conscience de ce que Jésus est et de ce qu'il peut faire pour eux. Mais pas ce que Satan et les démons peuvent faire. Mais nous ne sommes pas ignorants des stratégies de Satan. C'est pourquoi si vous voulez connaître la délivrance, suivez les enseignements sur les combats spirituels que je fais il n'y a pas longtemps. Où nous avons dévoilé comment la sorcellerie fonctionne. Comment les démons fonctionnent. Il y a un aspect que nous n'avons pas abordé. On abordera ça l'année prochaine. We'll handle it next year. Comment être délivré de mari de nuit et de femme de nuit? How to be delivered from night wife et and comment night mari de nuit rentre? And how the et comment night ils opèrent? Husband enters and operates. Je sais qu'à ce moment-là, le Seigneur permettra que tout soit en ordre. I know by that time the Lord will permit us to. Donc le père des mouvements de réveil. So the father of the movement of revival. Ce sont des pères que nous avons eus. They are fathers that we have. Apôtre Janvier. Apôtre Janvier. Apôtre Marcel. Évangéliste Okafor qui est devenu bishop Okafor aujourd'hui, Dieu les a utilisés pour amener le réveil. God have used them to bring revival. Je vous dis la France vérité. I tell you the truth. Histoire d'une nation doit être connue. The history of a nation must be known. Amen. Apôtre Janvier est mort. Apôtre Janvier est les deux là sont toujours là. C'est pourquoi quand ils font leur programme, il y a toujours une foule. Il y a toujours une grâce. Pourquoi? C'est à cause du prix qu'ils ont payé dans la nation. Because of the price that are paid in the they paid in the nation. Et Choum est venu. And Juma came, comme le père des mouvements de délivrance. As the father of the movement of et cela a commencé à continuer. And it continued. Mama Thérèse Doré, apôtre, Mama Thérèse fonction dans la délivrance parce qu'elle a appris de Juma. Because of what she learned from le ministère Juma, de la réconciliation et guérison. Ou papa, évêque Doré, qui est le président de l'AMEC aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont passés entre les mains de papa Juma. Ils ont appris la délivrance là-bas. They learned the yes. Oui. Je me souviens du témoignage de cette femme, I de Maman Doré. C'était au moment woman. Où elle voulait rompre. It was the time when she wanted to elle voulait off. Partir du mariage. She wanted to go out of her marriage. Elle vendait de l'eau. She was selling water. C'est son propre témoignage. Elle a that souffert. Her testimony. She et c'était au moment où elle voulait s'en aller. And it was the time when she wanted to et elle est partie voir l'homme de Dieu. She went to see the man of God. Pour lui expliquer et puis elle voulait partir. To him that she et c'est là-bas l'homme de Dieu va lui parler du futur dans le ministère that qu'ils ont aujourd'hui. Where the man of God spoke to her of l'homme de Dieu était capable de voir l'avenir. He was able to see le grand ministère the great ministry, qui va basculer le réveil dans la nation. That will bring revival et lui a dit ne pars pas parce que Dieu, voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va see faire. What God will do. Et elle est restée. And she stayed. Et c'est comme ça qu'on a fait sa délivrance. And that is how our deliverance et son mari plus tard va suivre. And the husband et ce que cet homme de Dieu avait dit and what that man est devenu réel aujourd'hui. Has become la plus grande église aujourd'hui en Guinée, c'est l'église de la réconciliation et la guérison. Et son mari est devenu le père de l'église aujourd'hui, à la tête today, de toutes les églises. At the head of all donc, Bishop Doré aujourd'hui so Bishop Doré est le père de l'église aujourd'hui. Is the father of churches today. Dis après moi, Bishop Doré say after me, Bishop est le père de l'église is the father de la Guinée. Of Guinée. Avant, c'était Révérend Raphaël Sagnon, before it was à la tête de toutes les églises, l'AMEC, Alliance des églises de Bishop Patrick de Guinée. Maintenant, c'est Bishop Doré. Now it's Bishop Doré. Et je parle à quelqu'un. Am I speaking to someone? Il faut suivre ça. Et ce sont des gens à honorer. There are people to si honor. Tu les déshonores, dishonor Dieu aussi va te déshonorer. God also will dishonor you. Dis après moi le Père. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, vous avez it compris ça maintenant. Today. Now, have you understood? Vous avez compris ça maintenant. Have you understood? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not begin today. Balance la main, dis merci Jésus. Oh, je n'ai pas entendu. Dis-le merci Jésus. Say thank you, Jesus. Dis-le à haute voix merci Jésus. Say it loudly. Amen. Amen. Maintenant, moi, je ne vais pas prendre le nom pour me coller, pour dire je suis P.
m'occuper de tel mouvement. Non. Put on myself to say I am this. Mais je sais seulement une chose. But I know one thing. Quand nous étions venus, when we came, il n'y avait pas les prophétiques en Guinée. The prophetic was not in Guinée. 2001, 2002, 2001, on ne connaissait pas les prophétiques. The prophetic was on a souffert ici. We suffered here. Yes, on a été insultés. We were insulted. Mais nous sommes tenus fermes. Or we stand firm. Un jeune serviteur de Dieu a reconnu ça. A young servant of God je bénis le Seigneur pour son humilité. I bless the Lord for c'est prophète Gué Désiré. Quand nous sommes allés dans son programme, we c'est là-bas il a dit ouvertement. That is where I said openly, c'est là qu'a mené le mouvement des prophétiques. Il est le premier. Il a reconnu ça. Qui he était là à l'église quand on était au programme? Le prophète Gué Désiré. Waouh. Vous ne me suivez même pas là où vous partez. Il faut aller demander à Gué Désiré. Somebody say amen. Et Dieu merci. Plusieurs autres, nous voyons aujourd'hui des prophètes venir après. Many others also mais nous avons gardé. Nous avons gardé notre tempo. We kept depuis our 2002. Since 2002. Ce n'est pas 2007. It's not 2007. Depuis 2002. Since 2002. Il y a eu des églises où on nous a dit, taisez-vous. Churches where they told us shut up. Prophète, taisez-vous. À l'époque, 2002, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais on a tenu ferme. But we stood firm. Et aujourd'hui, plusieurs fils there are many sons qui sont encadrés. Je suis content. I am happy de voir Job dans la prophétie. Job in prophecy. De voir Mounir dans la prophétie. Ah, je l'ai dit ouvertement. I say it openly. De voir Yahou. So say, qu'on me reconnaisse ou pas, le ciel me reconnaît. It, je n'ai pas besoin de reconnaissance. Not, mais nous avons lutté pour que ce mouvement soit gardé ici. On a été insultés. Parlé à gauche et à droite. Et nous bénissons les saints prophétés qui est venu de la Côte d'Ivoire. We bless the Lord for prophets Charles, ainsi de suite. Et nous bénissons les saints. Mais avant que eux ne commencent ça là, on a souffert. C'était facile quand ils sont venus. C'était très facile. Parce que c'est déjà quelque chose de connu. Because it was something known already. Tu t'arrêtes, puis tu dis ainsi par l'Éternel. On allait chez les ambassadeurs. We went to ambassadors. Pour dire voilà ce que Dieu dit. On conduit la délivrance. See what God is doing. See what God is saying. On nous appelait chez les colonels. They call us colonels. C'est comme ça qu'on faisait parce qu'il n'y avait pas d'église. On faisait because pas église. On n'avait pas d'église. We had no church. On a été traité de toutes sortes de noms. We are treated and given all sorts of names. Les gens veulent même voir. Il n'y a pas prophète. Il n'y a pas prophète. Il n'y a pas prophète. There are no prophets. Même un petit garçon qui prend son tam-tam tout. Il dit je vis cafard, si ta tête et puis avec fusil. On dit no, c'est un prophète. He says, see a cockroach with gun in the mouth. They say he's a prophet. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. Somebody say amen. Et Dieu d'Israël. Dis après moi, il y a le Père qui doit être respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balance la main, dis merci Seigneur. Glory be to Jesus. Amen. Amen. À l'époque, même le parler en langue, c'était difficile. Ici là, parler en langue, non. Tu parles en langue, tu as problème. À l'époque, on a fait réunion. Pour faire asseoir certains hommes de Dieu pour dire, vous là, arrêtez de parler en langue là, ce que vous faites là. Aujourd'hui, tu parles en langue gratuitement. Mais à l'époque, tu parles en langue. You speak in non, tu es chassé de l'église. So you'll be thrown out of tu es différent. You on doit faire réunion pour te dire, il faut te taire. Ça vient d'où ce mouvement là? Mais aujourd'hui, tu es libre. Tu peux faire rokotoko, ragatata, yendebosa. Personne ne te dérange. Somebody say, I hear you. I hear il y a you. Des gens qui ont souffert pour que nous puissions yeah, nager dans ce que nous sommes en train de nager là. Évangélisation. En public. Hey! Magalouze baya. C'est les cailloux. Tu te tiens dans la rue là. Tu dis, Jésus est Seigneur. Tu vas recevoir la pluie de cailloux. You will receive the rain of stones. Toi-même, tu fouilles. You run away. Mais il fallait que quelques pères commencent. C'est pourquoi quand j'ai pris un de mes fils, onctionné, il est devenu pasteur anointed. À Winner Chapel. He is now pastor in Winner Chapel. Onctionné, anointed. Je l'ai encadré tellement. I train him so much. Et je lui ai dit, ok, maintenant on va aller au marché pour enseigner. I said, now we'll go to il the dit, c'est bon. To start. He said, it's good. On arrive au marché, j'ai dit, we ok. J'ai dit, peuple, alléluia. Les gens ont répondu, amen. People answered, amen. J'ai dit, notre frère va prêcher. I said, our brother will preach. Il dit, pasteur. Hé, pasteur. À l'église, tu vibres, tu sautes quand tu prêches. La même chose à l'église. Fais ceci. Yeah, pasteur. Pasteur. Non, pasteur. Pasteur. Ça, c'est pasteur. Il dit, mais comment tu as sauté les étapes? I
necessary. Parce que pour nous, avant de commencer à prêcher à l'église, il faut prêcher au marché d'abord. Il faut prêcher dans la rue. Market, on the street. C'est comme ça qu'on a été formé. Tu commences d'abord à prêcher dans les marchés, dans la rue, market, bien costumé avec ton sac. Well dressed with your bag. Tu passes pleine journée dans la rue. Jésus vous aime. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Jesus loves tu commences d'abord là-bas. You start et tu vas au marché. Then you go to the market. Et je me souviens d'un pasteur avec qui on a fait les études bibliques ensemble. Il avait une grande église. Il était ami à mon pasteur également, mais on avait fait les études ensemble. He was a friend of my pastor. Il est parti tellement évangéliser Mata. He went to evangelize. Arrivé à un certain heure, il avait faim. Reaching a certain hour, à l'époque, aujourd'hui tu veux épouser pasteur. À l'époque, personne ne pouvait accepter d'épouser pasteur. Before, no one could aujourd'hui, tout le monde prie, Seigneur, donne-moi un pasteur, donne-moi un pasteur. Give me a pastor. Parce que tu vois maintenant la situation a changé. See, mais les pères qui ont commencé le mouvement pastoral là, ils ont ramassé les pères dans les marchés. They started with the market. They picked the bread okay. from the floor in the market. They il a fini de prêcher. Je ne vais pas dire son nom parce que maintenant il me suit avec sagesse. Amen. Ça c'est dans mon pays. That's il a fini la prédication au marché. After preaching in the market, il dit, Seigneur, j'ai faim. He said, Lord, I'm rien hungry. À manger. Nothing to et pendant qu'il passait, and as he was il a vu un pain. He saw a Alléluia! Pain! il a fait un geste comme Judo. Mais avant qu'il se lève, il a mis le pain dedans. Pour au moins aller manger. Aujourd'hui, tu fais évangélisation et puis tu dis, on te soutient. On doit t'envoyer voiture, tout ça. Mais il y a des gens qui ont ramassé le pain en évangélisant. Evangelize, they pay you, they give you support. But some others pick bread on the floor. Aujourd'hui, tu vois pasteur en carrosse, en voiture. Même tous les gens là, ils veulent jeep. À l'époque, même bicyclette, pasteur n'a pas ça. La seule ligne qu'on connaissait, c'est la ligne. Ligne haute. The only line we knew was 11. Ligne 11. The 11th line. Tu commences de la cimenterie jusqu'au palais du peuple à pied. On appelle ça ligne 11. Tu vas au culte. Tu finis. Tu retournes. Tu arrives à la maison 3 heures. You reach home 3 a.m. Parce que tu marchais. Un jour j'ai marché au pont Gili. Le militaire m'a arrêté. On dit tu viens d'où? J'ai dit je viens de l'église. Tellement il n'y a pas de voiture. Donc tu suis la route goudronnée. So you follow the third road. Parce qu'au moins tout le monde passe par là. Because everyone is passing there. Et il y a des moments où tu vas au culte. And there are times when you je te dis, donne l'offrande. Tu dis, papa, offering. Je n'ai pas offrande. You say, I have no offrande. Il n'y a même pas d'argent. There is no money. Je dis, ok, tu as quelque chose, ta you chemise. You have something, your shirt. Et tu enlèves chemise. And you remove tu donnes. Your shirt. Tu restes avec débardeur. Maintenant, il faut retourner. Avec and ligne 11. Tu vois un pasteur faire jogging. Hein? Pastor, il retourne à la maison. He's going back home. Et toi, tu penses qu'il est en train de se réchauffer. And il ne se réchauffe pas. Il n'a pas voiture et il a donné offrande sa chemise. He gave his shirt as offering. Mais aujourd'hui, là, regarde comment tu es venu à l'église. Bien costumé, bien vesté. Et quand tu finis, tu rentres dans ta voiture climatisée. Et ensuite, tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. God, you've abandoned hein? Me. Tu restes dans la voiture climatisée. Nous, c'était ligne 11 au chalet. Toute la chalet te tape bien. Je ne vais pas citer car, les noms. There is AC, but we, the sun used to hit. Pendant l'évangélisation, un during de nos aînés, one of our elders, tellement on est parti loin because we went pour so retourner far, à la maison, c'était distant. From return home, it was far. Et le ventre fait. And the stomach was tough. Ça t'a été compliqué. Hein? On a gagné les âmes. Lui, son ça fait problème. Maintenant, il n'y a pas de toilette publique. There was no toilet, no public toilet. À qui tu vas aller demander permission? Who will you ask permission for? Et il y a ce qu'on appelle poutou vitesse. And there is what ça n'a pas de respect à l'onction. Diarrhea. It have no respect for anointing. C'est venu en bas. It just came. Et il est resté là. And he stood there. Il savait pas que marcher ou rester. No, c'est un grand pasteur aujourd'hui. Hein? He's a great pastor today. Je n'ai pas cité le nom. I will not mention his name. Il est resté là. Fixe. Il y a des positions, vous allez voir les hommes de Dieu là. There c'est pas style de l'onction. Il y a quelque chose. Men of God, it's not the anointing. There is something. Il y a un homme de Dieu en pleine prédication qui a dit Alléluia. Pantalon de ciré, tcha. Alléluia. And the trousers tore. Papa, encore vous connaissez de quoi je parle. Le pantalon de ciré, tcha. The trousers tore. Il a fait comme ça. Il est tourné en arrière. Il a dit au caméraman, si tu filmes, si tu as problème. Mais Dieu merci, un de ses disciples était malade. Il est monté, il est, dans quelques minutes, il est venu avec une nouvelle veste.
Et le pasteur sage, il dit au peuple, lève-nous, fermons les yeux, prions. Shut your eyes, et pendant que les gens priaient, lui, il est parti. Il a changé. Il est revenu. Travail là. Dit le Père. Aujourd'hui, vous jouissez des choses que le Père a souffert pour mettre en place. Yes, c'est très facile aujourd'hui. It's very easy to d'écrire un livre, c'est très facile de prophétiser puis les gens acceptent. C'est très facile pour aller acheter les terrains. C'est très facile aujourd'hui. Et c'est très facile de trouver quelqu'un qui t'aime. And it's very easy to parce que tu es pasteur. À l'époque, nous, on nous a refusé 5 fois. They refuse us 5 times. Déception 5 fois. Deception, 5 qui va épouser quelqu'un comme nous? Like allez là, tout le monde veut courir derrière le pasteur. Parce qu'on voit Papa David de Pau, on voit Christian Kilomé, on voit l'onction de Gauche. Un jour, tu deviendras quelqu'un. Mais à l'époque, 5 fois. Then, je ne t'aime pas. Person, I don't know. J'avais un sentiment, je n'ai plus ça. I had a feeling, but now I don't tu dis, mais Dieu, this. Quel est le problème avec moi? God, what is the problem? Non, je dis, today, qui prie, Seigneur. There are people that are even praying. Si c'était possible, if it was possible, il faut prier pour quelqu'un d'autre. Pray for another person. Donc il est resté fixe. So he remained there standing. Et Dieu merci, il a trouvé une parcelle à côté. Et il est parti, il a dit aux femmes, est-ce que vous pouvez me permettre tout ça, d'aller me soulager? Quand il est parti, il a vu un fil de tonneau. Un fil, plein d'eau. Il est rentré déjà en fond. Oui. Et il a lavé son habit. C'est la seule chose. Et quand il a fini de laver, il a porté ça encore. Et il est sorti. Il vient de l'évangélisation, hein. Just from evangelism. Dieu n'a pas arrêté pour toute vitesse. God did not stop. Je pense que c'est toi qui vas plus prêcher. I believe it. Mais le Messie a continué à faire l'évangélisation. Again, but the man continued evangelism. Un jour, on revenait de l'évangélisation. Moi, Olivier et Pierre. I, Olivier and Peter. Et on arrive. On a tellement évangélisé, travaillé, fatigué, on avait so faim. Much, and we are so tired and et on hungry. Disait, qu'est-ce qu'on va manger? Parce qu'on savait déjà que quand what on... Going to, moi, on m'avait déjà chassé de la maison. Me, they drove me on m'a privé des habits parce que, à cause de Jésus. Donc, il n'y avait pas de nourriture. Mon oncle surveillait ça parce que mon père a donné l'instruction. Pas de nourriture pour Élie. Donc, ils savaient qu'il rentre à la maison, il n'y a pas de nourriture. So they knew if on mangeait la nourriture missionnaire. We are eating the missionary food. La mangue non mûre avec arachide. Unripe mangoes with groundnuts. Qui connaît ça? Toi, tu ne vas pas connaître ça. Mangue non mûre avec arachide. Tu manges ça, tu dors avec. You eat it and sleep. On appelait ça la nourriture missionnaire. It was called the c'est ce qu'on mange. Food. It's what we used to eat. Toi, tu manges gari. Au moins, c'est bon. Gari, mais tu plais. Seigneur, gari, yeah, aujourd'hui encore, Dieu. Nous, c'était mangue non mûre. For us, it was unripe. Oh, mais quand tu vois mangue. Oh, mais ça, c'est une occasion. Caillou, bah! Tu prends ça. Parce que c'est ça ta nourriture. Because that is your food. C'est pourquoi personne ne pouvait nous épouser. That is why no one could marry us. Parce qu'il va manger mangue. Because you eat mango. Somebody say, I hear you. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrivé quelque part, reaching somewhere, Dieu a répondu à notre prière. God answered our prayer. Il y avait un papier plein d'argent. There was a paper full of tout money. Le monde dépassait ça. Everyone was passing by. Parce qu'à l'époque, les magiciens faisaient because des choses by comme then, ça. Magicians do things like that. Et quand on a regardé ça, on and a when vu. We looked, we saw it. Ah, ramasser, c'est pas voler. Gathering is not bad. Ah, on n'a pas vu la personne qui a mis ça là-bas. We did not see the person that placed ça, c'est Dieu qui veut répondre à notre it prière. God that answered our prayer. Vrai ou faux? Si on a vu quelqu'un qui a fait tomber, on va prendre pour dire tu as fait tomber. Vrai ou faux? Mais on n'a pas vu. Et les gens voient ça, ils dépassent. Nous, on a prié, on a vu ça. C'est toi. Olivier était tellement courageux plus que nous. Il a fait kibit. He gathered it. Et on est parti. And we went, quand on a regardé, beaucoup d'argent. Plenty on est parti au restaurant, on a bien mangé. Went to the restaurant and et ceux qui restaient là, on s'est partagé. And the remaining we shared it. Je me souviens dans l'évangélisation. I remember in evangelism, on est parti évangéliser. We went for evangelism. On est rentré dans une famille. We entered a family. On dit, papa, on veut parler de Jésus à vos papa, enfants. We want to talk about le Jesus papa dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez parler no à mes filles? You want to talk pas to de problème. My attendez, no j'arrive. Wait, I'm coming. Il est rentré. He went inside. Quand il est sorti, when he came on ne savait pas qu'il est parti limer la machette. Il a limé la machette. Et il est sorti avec ça. Il dit, venez avec votre évangile là. Hein? Frère,
Ça là, on chasse les démons. We don't cast demons. Moi et mes frères. My brothers. 100 mètres d'abord. We ran away 100 meters. Sauf qui peut. On a fui. Mais le jour qui a suivi, nous sommes revenus encore. On a demandé, papa est là, on dit, papa n'est pas là. On a prêché. Et ils ont donné la vie à Jésus. Je me souviens du jour où on a giflé Pierre. I remember the day they slapped à cause de l'évangile. Because of the gospel. Tous les quartiers, les gens sont sortis. The entire community. Parce que seulement il est venu évangéliser. Just because les gens l'ont tapé. Et il ne peut pas reprendre. And he could not, il ne peut pas donner les coups. He could not. Parce que la Bible dit, quand on te donne ici, il faut donner ici. Because the Bible says when they slap you on the leg. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui sont karatés quand même. So there I see Christians that are. Si tu essaies de donner, oh, il va te soulever les pieds puis te monter en haut. Your foot up. Le frère était là. The brother was là, les larmes coulaient. Tears. Mais les Juifs qui ont suivi, ils sont partis évangéliser dans les mêmes quartiers. We went to evangelize in the same place. Aujourd'hui, today, c'est très facile. It's very easy. Tu peux prendre le micro. Alléluia, répentez-vous. Et puis les gens vous passent. Personne ne vous caillasse. No one will say anything. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont préparé le terrain. C'est pourquoi il faut honorer le Père en Guinée. Il faut honorer vos pères. Honor your father. Si vous ne pouvez rien faire, ne parlez pas contre eux. Bénissez-les, priez pour eux. Bless them. Même la carrière musicale chrétienne, il y a des pères. Renseignez-vous, il y a des gens qui ont commencé la carrière gospel. Qui ont souffert, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, au moins, Dieu, tu peux faire. Et les gens disent, waouh! À l'époque, même quand tu fais ce que tu veux, les gens te regardent. Those days, even when you do what you are doing, people will be looking at you. C'est quoi ça? What is this? Et personne n'était intéressé. And no one is interested. Mon genou pouvait faire entrer avec ticket 20 000 francs, comme je vois sur Facebook. Et les gens viennent. 20, à l'époque, les groupes naissaient, ça mourait, parce qu'il n'y avait pas de soutien. There were groups being born and they died because there was no support. Honorer ces gens-là. Honor those people. Est-ce que quelqu'un a compris le Père? And someone understood. Somebody shout, I hear you. Okay, dimanche prochain, ne manquez pas. Next Sunday, do not miss. Parce que nous allons aller plus loin. Because we'll go further. Nous allons voir les devoirs de père vis-à-vis de fils et les devoirs de fils vis-à-vis de père. Mais comme je vous ai dit, now, un père peut être le fondateur des mouvements. A father can be the founder of Par exemple, Papa Kenneth Hagin, c'est le père de mouvement aux États-Unis de la foi. Of the movement of faith in the US. Et je parle à quelqu'un. Aux États-Unis, Marron William Branham, c'est le père Marlon de mouvement prophétique. Is the father of the prophetic movement. Et je parle à quelqu'un. Il faudra connaître toutes ces choses-là. A.A. Allen. C'est parmi les pères de mouvement de délivrance, de guérison. A.A. Allen pouvait prendre pendant les grands grammes de quelques camps angéliques. Il prend tambour. Qui connaît tambour ici? Le tambour. Take the tambourine. Il va jouer. He will play. Il chantait agressivement. He will sing. On appelle ça des chansons prophétiques, des danses prophétiques. Il va danser. Il va. Sorts. On l'a décrit comme celui qui dansait agressivement. He was known as he that danced aggressively. Mais quand il finit, l'onction les installe. Les malades sont guéris. Paralytique marche. The paralyzed will Vous avez quelqu'un comme Catherine Kuhlman. You have people like Catherine Kuhlman. Parmi les pères amongst the fathers, dans le mouvement de guérison, le ministère de guérison healing, dans lequel aujourd'hui fonctionne Benny Hinn. In which Benny Hinn is functioning. C'est très important. Vous devez connaître toutes ces choses-là. Maintenant, si vous ne pouvez pas honorer ces gens-là, ne parlez pas contre eux. Ne parlez pas contre eux. Et je parle à quelqu'un. Nous maintenant, les Seigneurs, aujourd'hui, nous avons assez d'hommes de Dieu en Guinée. Assez d'églises. Mais il y a des gens qui ont versé les sangs. Pour que ce que nous avons aujourd'hui puisse avoir lieu. Il y a des pasteurs qui sont morts. Il y a des missionnaires catholiques qui sont morts. Seulement pour que les églises puissent être implantées ici. Donc, vous devez connaître l'histoire de votre nation. You should know the history of your nation. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Have someone understood? Si tu n'as pas compris, if you did not understand, tu peux écouter ça encore. You can ça va ouvrir ton intelligence. Listen again, it will open your Amen. Intelligence. Amen. Maintenant, un homme qui est dans une église, a man that is in a church, et qui a papa ici, and papa là-bas, father papa here, là-bas, and tu n'as pas compris. You've not understood. Ton pasteur. Your pastor devrait être ton père. Must be your father. C'est pas tout le monde qui est ton père. It's not everyone that tu is peux avoir father. Plusieurs maîtres. You can have many masters. Yes. Ça dit des gens qui peuvent te conseiller, comme ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez plusieurs maîtres, mais un seul père. You have many masters, but one father. Qui est ton père?
Who is your father? C'est celui qui est à la tête de la famille à laquelle tu appartiens. It is him that is. Parce que nous avons dit le père, c'est l'auteur d'une famille, d'une société animée par le même esprit. Maintenant, vous êtes dans quelle famille? Vous êtes dans la famille Kerit. Je suis votre père. I am your father. Je suis votre père. I am your father. Et vous devez être animé par le même esprit qui m'anime. Animated by the same spirit that animates me. La passion qui m'anime, ça doit être votre passion. L'évangélisation doit être votre passion. Evangelism should be your passion. Gagner les âmes doit être votre passion. Soul winning should be your passion. Prophétique doit être votre passion. Prophetic should be your passion. Chanter doit être votre passion. Singing should be your passion. Yes. Oui. Là, je parle à quelqu'un. Le même esprit qui m'anime, si ça ne t'anime pas, cela est l'évidence que tu n'es pas mon fils. C'est ça, c'est simple. Tu appartiens à une autre famille. Tu ne peux pas être dans cette famille-là et que tu ne saches pas comment traiter les démons. Non, quelque chose ne va pas. Tu es dans cette famille. Tout le monde chasse des démons. Everyone cast out demons. Nous sommes partis à la campagne évangélique la fois passée. À Demoudoula. Même Antoine, pianiste, chasse des démons. Cast out demons. Il dit petit, laisse le piano. Va là-bas. The piano, go there. Et nous sommes allés à Bentouraya. We went to Bentouraya. J'ai dit que tous les serviteurs de Dieu puissent imposer le message. Said, oh, le démon criait encore par l'imposition de main. Je l'ai appelé et dit petit. Tu as vu ce que Dieu a fait? I said, do you see what God have done? Par l'imposition de main, les démons sont partis. Of hands, demons shout. Maintenant, il ne faut pas ramasser tous les démons encore après. Do not gather all the demons later on. Amen. Amen. Tout le monde ici péche. Si tu es réellement mon fils, if you are really my son, tu peux aussi prier pour un paralytique peut marcher. Le même esprit qui est dans la famille doit être en toi. That is in the family should be in you. Mais tu es ici. But you are here. Quand quelqu'un a mal de tête, attends, mon pasteur, je vais t'envoyer chez le pasteur, pas prier pour toi. Ah, tu n'es pas mon fils. You are not my son. Tu n'es pas mon fils. You are not my son. On t'envoie un cas. They bring you a case. Oh, il faut bien traiter ces démons-là. You should handle that demon. Démon-là doit savoir qu'il est venu dans une mauvaise that zone. Demon should know that he came. C'est une zone dangereuse. A dangerous zone. Un jour, one day, un de mes fils était de passage. One of my sons was passing vers le marché Yembea. Around the market. Membre de cette église. Member of this church. Et il voit les gens attroupés. And he saw people en train gather, de crier, hey, shouting, hey, hey. Un démon jouait avec une femme. A demon was playing with la a woman. La balançait à gauche et à droite. Throwing her from elle left a perdu to right. Conscience. She lost criait, tournait là. Les gens font ce qu'ils font là. On prend ail, on prend tomate. Les choses que. Quand tu penses que démon va manger tomate et ail. Demon will eat tomato. Envoie-moi ça, je vais faire pepper soup. Bring it for me to. C'est un esprit. Toi, tu envoies ail et tomate. You bring garlic and et on vous a fait croire ça là. And they make you to believe. Quelqu'un vous envoie ail et puis vous envoyez tomate, démon va partir. Démon est toujours là. Parce qu'il ne mange pas ail. Because it does not il ne mange pas tomate. Les démons se nourrissent du sang. Demons feed on blood. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, c'est son sang qu'ils sont en train de sucer. They are doing that, they are sucking the blood. Et mon fils est arrivé là-bas. Il dit, quel est le problème? On dit, non, non, il dit, je peux maîtriser. On dit, ah! Je peux maîtriser. He said, I can handle it. Il est venu là-bas. He went there. Il n'est pas pasteur. He was not a pastor. Il n'était même pas ministre. He was not even a minister. Il a ordonné. He toi, démon, sors! Demon, leave. Ah! Et les gens ont commencé à se retirer. And the people begin to withdraw. Un simple fidèle comme toi. A simple member like il a maîtrisé les cas là. He mastered the case. Il a massacré ces démons. He massacred the demon. Parce qu'il est sous un père. À la fin, la fille est revenue en elle-même. The girl came back to herself. Et les gens, pasteur, pasteur. Said, pastor, maintenant, pastor. Vous savez, que tu fais ça là, as soon as you tout le monde that, t'appelle pasteur. They will call you a pastor. Toi, on ne t'a pas appelé encore pasteur dans ton they quartier. Not yet call you a pastor in your il y a un problème avec toi, toi. There is a problem. Il y a un problème avec toi. There is a problem with you. Qui dans ton quartier, on l'appelle pasteur? Lève who la main. Who is called pastor in his community? Dans ton quartier, on t'appelle pasteur. Lève in la main. In your community, you are called pastor. C'est les mains sont à compter. Un, deux, trois, quatre. Toi, on t'a jamais appelé pasteur dans ton quartier. Lève la main. Sois sincère. Sois sincère. Lève la main. Be sincere. Oh. Toi, on t'appelle pasteur dans ton quartier. Did they call you pastor? D'autres personnes. Qui sont ces d'autres personnes-là? Moi, pas dans ton quartier. Mais tes amis t'appellent pasteur. Non, c'est parce que tu pries. Parce qu'eux, ils sont chrétiens. Mais dans ton quartier. Comment ils t'appellent pasteur? Pourquoi? Quand les gens tombent, oui, tu pries. C'est normal. Amen. J'ai dispensé coups à la source. I was giving causes at the source.
La source. Les gens envoyaient les enfants de la cimenterie. People brought their children from cimenterie. Ce n'était pas église, oh. It was not the c'est church. École, mais ils envoient school. Les gens. On dit, on cherche celui qui chasse les. They said, we are looking for him. Le fondateur de l'école dit, mais ici c'est l'école, oh. The people, the on dit, on a appris à quelqu'un qui chasse school. Le diable ici. That there is someone that donc on me fait descendre de la salle de classe. So they will take me down from the classroom. Et je descends. And I will go down. Et je traite les cas. And handle the case and go back. C'est comme ça que Dieu a fait. À partir d'aujourd'hui, si tu es mon fils, today, if you are my le son, même esprit qui est ici the same spirit that is va aller avec toi. Must go with you. Oh, si tu es mon fils, if you are my son, I parlo Zabaya. Reçois le même esprit au nom I de Jésus. The same spirit in Jesus. Amen. Amen. Appelez-moi Papa Kuruma. Appelez-moi Papa Kuruma. Que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que tu as compris? Have you understood? À compter d'aujourd'hui, from today, il n'aura plus de négociation avec les démons. There will be no negotiation with demons. Amen. Amen. Très important. Very important. Tu vas rentrer dans les endroits. You will go to places. Ils vont partir. They will leave. Et quand je suis allé à l'école Farandole, and when I went to Farandole school, la même chose. The same thing. Là où mon fils aussi enseignait. Where Pastor Kosi les teaching. Démons étaient chassés. Demons were alors un jour, out. J'ai dit, mais si tous when les démons là, on doit les amener à moi, mais c'est un problème. They should bring all these demons to me. J'ai dit, envoyez ce cas-là au pasteur Kosi. Non. 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 Kosi. 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 J'ai dit, envoyez-le auprès de Kosi. Et quand ils ont envoyé, ils ont appelé Kosi au bureau, il est parti him, là-bas. He went there. Quand il a maîtrisé le cas, il dit, ah, the case, they Kosi aussi. Kosi aussi. Kosi aussi. Kosi aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Say, but what do you think? C'est mon fils. My soul. Le même esprit qui coule en moi. The same spirit that is flowing in me. Madame mes enfants. Must be in my children. Maintenant, pose la question. Now ask the question. Pose la question. Tu es le ask père de, him. Tu es le fils de qui? Whose son are you? Est-ce que tu chasses les démons comme ton père chasse les démons? Do you cast out demons like your father does? Est-ce que tu aimes Dieu comme ton père aime do Dieu? Do you love God as your father loves God? Vous avez vu comment je suis venu ce matin? You see how I came this mon morning. Mon corps. My body. Si c'est toi. If it was tu ne peux pas venir. You will not have been able to come. La nuit, c'est la grâce de Dieu qui m'a fait dormir. The grace of God that made me to sleep. Parce que quand je suis rentré, le voyage, ça m'a travaillé tellement. Came back home from parce qu'on n'a pas eu repos. It worked on me. J'ai dit à Kosi ce que je lui ai dit. Lui. I told Kosi what I could tell. Mais la nuit, le Seigneur m'a dit, pendant when que j'ai passé night, le temps Lord told me as I was spending time, dans sa présence, en suivant presence, le message et puis en passant le temps dans la prière, il m'a dit, si tu ne pars pas, he said, if you don't go, c'est pas bon pour toi. Not good for tu dois partir. You must Seigneur, go. Mon corps. Say God, il dit, si tu ne pars pas. Say if you don't go. Donc, je me suis efforcé à venir. So I forced my mais regarde, to come, see, la manière j'avais commencé à parler au début started, et la manière je parle maintenant. Regarde I'm comment now. Je transpire. See, je sais que je sors d'ici avec un rétablissement total. Somebody shout to hear you. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vous encourager. So I want to encourage, honorer vos pères. Honor your father. Dimanche prochain, next Sunday, you are going to learn a lot of things. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Ne manquez pas ça. Do not miss nous it. Parlons du royaume et le temps we are facteur. Talking of the kingdom and time maintenant, factor. Je vous ai dit que Satan now peut chercher you, Satan à déconnecter un fils de son père can try to disconnect a son pour qu'il ait his l'opportunité father. De l'attaquer. So that you have an opportunity ne quitte to jamais ton père. Never quit your father. À moins que lui dise je t'abandonne. Except he says I abandon you. Amen. Amen. Et je parle à quelqu'un. À moins qu'il dise tu n'es plus mon fils. Except he says you are no longer my son. Mais reste auprès de lui. But remain celui que tu appelles père. He that you call selon father, ce que nous avons montré comme les caractéristiques, shows, les critères, the criteria, reste loyal à lui. Remain loyal to him. Tout homme a un père. Every man have a father. Et tout enfant de Dieu a un père. And every child of God et la manière father. La plus facile, ton père, and c'est ton pasteur. Your father, ton père, your c'est pastor qui is your father. C'est ton pasteur. Et ton pasteur, and your pastor, ce qu'il a besoin de ta part, what he needs from you, c'est le lait. His milk. Et je parle à quelqu'un. Tu es comme la brebis. Like il t'a nourri sheep. Avec he les enseignements. Maintenant que tu as le lait, donne-lui le lait. Le lait, c'est quoi? Donne-lui l'offrande. Soutiens-le. Soutiens son travail. Le travail que support Dieu lui a confié. C'est ça le lait. Parce que tout berger, every sheep, il se every nourrit shepherd, de ce que les brebis produisent. Feeds from what the sheep produces. Amen. Amen. Il va manger la viande, he will eat the il aura le lait, yeah, tout ça, ça vient de ce qu'il a
dans lequel il a investi. Donc la même chose. Si maintenant tu es dans une église comme ça, et tu vas donner ta dîme dans une autre église, tu ne seras pas béni. Parce que tu fais ce qui est parfait. Et il y a beaucoup de gens qui quittent leur église, qui quittent les pasteurs qui souffrent pour eux, et allaient donner la dîme ailleurs. Vous balayez la maison de quelqu'un d'autre et vous laissez votre maison sale. C'est pas sage. Amen. Apprenez à soutenir vos pères. Et ceci s'applique à tous ceux qui nous suivent. Honorez vos pères. Le mystère dans ça, c'est que quand vous honorez vos pères, Dieu va vous honorer aussi. Levez-vous. Lift up your hands unto him. Élevez les mains vers lui. Remercie-le pour tout ce que tu as appris. Thank him for all that you've learned. Donne-lui gloire. Give him glory. Donne-lui gloire. Give him glory. Donne-lui gloire. Give him glory. Élève ta voix, commence à prier. Lift up your voice and begin to pray. Thank you. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Remercie le frère. We give you glory, Lord. As we honor. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, Lord. As we honor. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are wonderful. Worthy to be glorified. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord. You are worthy. Lève-toi de même vers le Seigneur. Père, je prie pour ton peuple. Father, I pray for your people. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, place la main là où tu souffres. Car la guérison est disponible dans la maison. Because healing is available in the Et si house. Tu as quelqu'un dans la famille qui est malade, And if you have someone in the family that is sick, mets la main comme si tu mettais la main sur cette personne. Donc toi tu seras un point de contact. Et nous allons prier et Dieu va toucher cette personne. Papa, dans le nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, nous prions pour quiconque est malade. We pray for whosoever that is dans cette assemblée. In this assembly, nous menaçons toutes sortes de maladies we threaten every form of sickness dans les corps. In the body, au niveau de la tête, from the head, au niveau du ventre, the stomach, au niveau du rein. Même ceux-là qui nous suivent à l'antenne, qui sont à l'hôpital, qui sont dans leur maison, partout ils ont placé leurs mains, sur la poitrine, sur la tête, au niveau du rein, au niveau du pied, Father, toute complication au niveau du cœur, nous délogeons cela de leur corps, dans le nom de Jésus. Il est écrit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, celui qui a la clé de David, have the key qui ouvre, personne ne ferme,
et qui ferme personne ouvre. Père, je déclare, parce que toi tu as la clé de la guérison, que la porte de la guérison s'ouvre. Pendant toutes ces années, ils ont souffert. Nous mettons un arrêt, un terme à cette maladie-là. Et nous ouvrons la porte de la guérison dans le nom de Jésus. Je déclare que partout tu souffres, sois guéri au nom de Jésus. La tête soit guérie. Les reins soient guéris. Les cœurs soient guéris. Tous les corps soient guéris. Toute infection dans ton corps commence à quitter maintenant. L'infection dans le sang commence à quitter maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout problème au niveau des oreilles, j'ordonne que cela prenne fin. Sois restauré au nom de Jésus. Je relâche les anges de l'éternel. Plus particulièrement cet ange de guérison qui est en train de rendre ministère. Lift up your hands now. Un ange de guérison qui rend le ministère. Il y a quelqu'un qui me suit. L'ange de ministère rend le ministère de guérison dans cette personne. The ministerial angel is ministering healing to that person. Parce que l'onction qui est dans cette vidéo, même après le culte, cette même onction sera là pour guérir plusieurs qui vont suivre. Spécialement, je vois un ange guérisseur. Especially, I'm seeing a healing angel qui est en train de rendre ministère à plusieurs. That is ministering to many. Lift up your hands. Élevez les mains. Ricalo, mandarebo sababane, indalane, suita marabara zondo robo sebeya, ah, zanendo lobose. Reçois cette guérison. Receive this healing. Car ça sonne clair. Because it is clear qu'un ange de guérison est dépêché pour rendre ministère aux malades. To minister to the sick. Tu attendras quand tu vas retourner à la maison que cette personne est guérie. You hear it when you go back home. Anna, reçois cet ange-là. Receive that angel. La Bible dit, un ange du Seigneur fit son apparition dans le jardin et fortifia Jésus. Cet ange du Seigneur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Ésaïe 63, verset 9 à 10. Oh, l'Oreze Mahandazuya. L'ange de sa présence est tenté de rendre ministère. L'ange de sa présence est tenté de rendre ministère. Yes, Lord. I give you praise, Lord. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire maintenant. Si c'était la respiration qui était difficile, respire. Commence à expirer et inspirer. Si c'était les coups, tu avais mal au cou, commence à tourner ton cou à gauche et à droite. Si c'était les reins, commence à te courber et redresse-toi. Fais ça maintenant. Fais ça maintenant, de partout tu me suis. Fais ça maintenant. Si c'était ton cœur qui faisait mal, respire. Tu verras que le cœur est restauré. La mandosa. Si c'était ton pied, commence à exercer ton pied. Do it. Stop to pray now. Arrêtez de prier. Faites ce que je vous dis. Wow. Il y a juste une maladie au niveau du cœur, la partie gauche. Une douleur. La personne avait des douleurs. La douleur vient juste de partir. I say my hand. La douleur vient juste de partir. Le mot du cœur. La douleur vient juste de partir. Continue à exercer ton corps. Si c'était le cou, exerce ton cou. Si c'était le rein, exerce ça. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et donne-le gloire. Amen. 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 Yes, Lord. Qui avait les problèmes de cœur? Who was having problem with the heart? Quand? Les problèmes de rein. Le Seigneur vient juste de guérir la personne. The Lord just healed the person. Donne-lui le micro. Monte sur l'autel, ma fille. Comment tu te sens maintenant? You take the mic from her. Yes. Ça a commencé depuis la semaine. Là. Ça a commencé depuis quelle semaine? La semaine là, depuis le début de cette semaine. Oui. It started since the beginning of this week. Ça me fait mal. Ça te faisait mal et c'est la partie gauche. Oui. Après la prière, tu sens plus ça. Oui. Tu peux respirer normal. C'est là où a commencé cette semaine. Donc, depuis lundi là. Depuis lundi. Ma respiration, quand j'ai fait comme ça, mais c'est comme si ça retardait. Ça me faisait mal. It aches her. Depuis maintenant la prière là, ça va.
Tu respires normalement, il n'y a plus de douleur. Okay, go in peace and that miracle be permanent in Jesus' name. Amen. C'est vraiment le Seigneur qui t'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur une fois de plus? Que la gloire est le Seigneur. Yes, ma fille. C'est quel problème? Au niveau du rein, monte. Pendant combien de temps tu avais ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 semaines. Since 2 weeks. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu t'as essayé et tu t'es levé, tu avais mal. Et donc quand tu t'es relevé, ça te faisait. Il faut que je me courbe pendant longtemps. Après maintenant, she je vais down for some time maintenant tout de suite là, comme vous avez dit de mettre but la main now, après la prière, je ne sens pas tellement. Envoyez-moi chaise, on va tester ça tout de suite là. Envoyez-moi chaise. Yes Lord, tu es inspiré, ça c'est très important. Relève-toi. Assieds-toi. Relève-toi. Assieds-toi. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Waouh, waouh. Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. C'est parti. Que Dieu soit loué. Acclame pour le Seigneur. Yes, ma fille. Donne le micro. Anemo Ese Ne Ma sauce Yes Dans la bosse. Comment peut-on le livre du soir? Libère-la au nom de Jésus. Ne viens plus dans son cœur et ne viens plus au niveau de ses reins. Ton travail est fini aujourd'hui. Ton travail est fini aujourd'hui. Ton travail est fini aujourd'hui. In Jesus' name. Regarde-moi. Yes, Lord. Dis merci, Jésus. Voilà. Quel était le problème, ma fille? C'est mon cœur qui me fait mal. Ton cœur te faisait mal. Parce que ça te fait plus mal. Ça te faisait mal. Pendant combien de temps? Ça fait longtemps. It's been long. 1 an, 2 ans, 3 ans? Je ne connais pas, mais ça me fait longtemps depuis. Donc, ça dirait alors. Comment tu sentais? Ça me piquait. Si mon cœur commence à me faire mal, on dirait que ça me pique. On dirait qu'on me pique avec les choses. It's like they are piercing the heart. Wow. Maintenant, après la prière, qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Après la prière, je ne ressens rien. She's not feeling anything again. Hey, c'est comme cela que tu acclames pour Jésus? Voilà. Le démon là est parti, ma fille. Il y avait un démon qui te tourmentait. C'est pourquoi quand le Seigneur m'a montré ton visage, je n'ai pas perdu le temps. J'ai chassé ce démon là. Car Jésus veut que tu sois libre. Donc tu ne te rappelles même plus ça fait combien d'années. Donc ça dirait 6 ans. Comment tu t'appelles? Christine. Ma femme, c'est Christiana. C'est Christine, toujours. Hein? Tu es homonyme de ma femme. Qui t'a envoyé ici? C'est ma mère. Hein? C'est ma mère. Ta mère, c'est qui? C'est Clarisse. C'est ta maman? Ta maman biologique? Oui. Ah! C'est ta nièce. Wow, que Dieu soit loué. Father, we commit her in your hands. Let it be permanent in Jesus' name. Amen. Va en paix. Dimanche prochain ne manque pas ici, ok? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Il y a quelqu'un avec les maux de rein que le Seigneur a guéri. Ne reste pas là-bas. Vérifie ça, tu verras que la douleur est partie. Faut pas garder ça, c'est pas pour toi. Et tu voulais rester là-bas. Hein? Eh bien, tu veux retourner avec ça à la maison. Tu es libre au nom de Jésus. Dis-nous, pendant combien de temps? Explique-nous exactement. Depuis hier. Mets mon micro, parle bien. Depuis hier, pendant la journée. Pendant la journée, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'école. She was in school and she felt the pain. Mais quand tu parles là, c'est moi qui écoute, les autres n'écoutent pas. J'étais à l'école et d'un seul coup, j'ai senti de douleur au niveau de rien. Et pendant la prédication, oui. J'avais plus de
Il n'y avait plus de douleur. Maintenant, ton visage commence à devenir vraiment visage de Kishi. Oui, ton visage, vrai, vrai, c'est le visage de Tolno. Les vaseaux. Les noms. Et c'est le visage de Tolno. Tous les noms, Tolno. Ça commence à devenir Tolno. Allez. C'est vrai visage de Kishi. Et ça sort maintenant. Là. Regarde. Qui voit les Kishi ici? Avant, on ne pouvait pas sentir ça, mais maintenant, ça sort. Hein? Que Dieu soit loué. Ta guérison est permanente. In Jesus' name. Donc, maintenant, là, tu ne sens plus rien. Wow. Father, we thank you. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Lève ta paix. Père, nous voulons te dire merci. Pour tout ce que tu as fait. Reçois la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Asseyez-vous. Il y a quelqu'un qui a été victime de vol d'argent. Ton argent a disparu là où tu avais mis ça. Il y a eu un vol. Tu ne sais pas expliquer ça. You don't know how to explain it. Viens rapidement, je vais prier pour toi. Come quickly, let me pray for you. Parce que ça, ce n'est pas la première fois. Because it's not the first time. Ce n'est pas la première fois. It's not the first time. Tu places l'argent quelque part et ça disparaît. You put your money somewhere and it disappears. Come, I have to pray for you. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand? C'est la semaine passée là. J'avais mis Because l'argent dans mon sac, j'ai mis ça, j'ai bag. Même caché, mais quand je suis reparti, ce n'était pas she la même somme. When, et ça arrive plusieurs fois. She came back, the money was not there. It happens many a times, it's often. Now, l'airebo zebahai, makatosaya. Est-ce que tu avais enlevé la dîme dans cet argent-là? Did you remove your thigh? Tu as donné la dîme, correctement. Agenoux-toi. Father, in the name of Jesus. Si cet argent n'était pas dîmé, ça peut s'en aller. It can go. Mais puisqu'elle a confirmé, well, elle a enlevé la dîme, que cet argent retourne, la personne qui a pris ça soit tourmentée par la puissance du Saint-Esprit. Si c'est un esprit, si c'est un homme, qu'il n'y ait pas de repos jusqu'à ce qu'il retourne ça. Et nous arrêtons cette manipulation dans sa finance. Jesus' name we pray. Amen. You will come back here. You will say you have found your money. De retrouver ton argent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? I don't care how, but you will come here and testify and you find your money. The same amount will be restored. Le même montant sera restauré. Une femme m'a appelé de quelque part, je ne vais pas citer. Elle dit qu'elle avait mis l'argent quelque part, ça a disparu. Elle a cherché ça pendant des jours et des jours. Mais quand le temps de Dieu est venu, elle a retrouvé ça. I know God is capable to do it. Toi, tu ne crois pas, mais je crois à ta place. C'est senti, hein? C'est senti? Come with your child. Senti? Wow! Senti? Qui se rappelle de Senti? Qui se rappelle de Senti ici? On a célébré son mariage ici? We celebrated her wedding here. Ah! Qui se rappelle de Cynthia? Who remembers Cynthia? On a célébré son mariage ici. Son mari est serviteur de Dieu quelque part. The husband is a servant. Donc quand il a épousé ma fille, la prime à fille est partie. C'est comme ça que je perds mes filles. Toi, tu ne veux pas épouser mes filles ici. Les gens viennent prendre mes filles pour partir. You cannot marry my daughter. Cette fois-ci, Yako, personne ne va venir prendre ma fille pour partir. This time, no one will come and take my daughter. J'ai donné beaucoup. I've given so many. Frère, tu es marié? Come. Cynthia, je vais venir à toi après. Non. Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Ah! Il n'est pas fiancé et il n'est pas marié. He have no fiancé and he's not married. Béavogui. Béavogui, viens. Béavogui, viens. C'est là qui tremble, qui prie dans leur cœur. Dieu fait qu'il ne m'appelle pas. Je vous appelle même. Il ne faut même pas prier. Parce que dès que tu pries, le Saint-Esprit me dit quelqu'un prie. Monte. Béavogui, tu es marié? Non. Tu es fiancé? Pas encore. Not yet. Ha. Frère, viens, toi.
Monte. Tu es marié? Non. Fiancé? Non. Mando Rosso Kabaya. Toi, frère, viens, toi. Il y a des gens qui prient dans leur cœur. Seigneur, Seigneur. Monte. C'est ta première fois que je vois ici. Je te vois ici la première fois. C'est la première fois que tu es rentré ici? Is it your first time of deuxième fois. Here? Deuxième fois. Waouh, je ne te connais pas, je ne parle pas vraiment. I don't know you. Tu es marié, toi? Non. Eh? Tu es fiancé? Oui. Ah, toi, tu... Toi, tu viens à côté. Somebody say, I hear you. L'autre là, qui est à côté, on dit l'autre là. Et c'est son petit frère. Et après, c'est toi. Ok, petit frère de l'autre là. Et après, c'est lui. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Waouh! Que Dieu te bénisse. C'est le Béavogui. Montez-y. C'est la famille de Guy. Béavogui. Guy, tous les Guigui. Amen. Tu es marié? Non. Tu es célibataire? Bien-aimé, si vous n'avez pas encore une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il est important de considérer 5 points essentiels pour hériter la vie éternelle. Le premier point à savoir est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. Le deuxième point est que le péché vous sépare de Dieu. Car le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Le troisième point est que Dieu a fait une provision pour vous réconcilier avec lui. Car dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19, il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Le quatrième point, c'est que cette provision, c'est l'envoi de son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour vous. Jean, chapitre 3, le verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et enfin, le cinquième point, c'est que la seule condition pour être réconcilié avec Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Après avoir considéré ces 5 points essentiels, je vous invite à faire cette prière après moi. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour ma rédemption et mon salut. Je reconnais que j'ai été égaré et pécheur. Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mon égarement. Lave-moi par ton sang et purifie ma vie. Saint-Esprit de Dieu, dès aujourd'hui je le déclare, je me confie à Jésus. Prends contrôle de ma vie et dirige mes pas. Je déclare que je suis passé de la mort à la vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Jésus pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si vous avez fait cette prière, sachez qu'il y a une très grande joie dans le ciel à votre sujet. Car Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et il est écrit encore dans le livre de Luc, au chapitre 10, le verset 20, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Nous sommes porteurs de mandats de puissance. Nous sommes engagés à enseigner l'évangile du royaume pour le salut des âmes, à faire des disciples faiseurs de disciples, à produire, multiplier et développer des leaders dynamiques, prophétiques dans le secteur socio-économique et politique, à préparer les saints à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ par la prédication et l'enseignement de la parole des puissants, avec un aperçu apostolique et prophétique. Notre vision est de ramener les nations du monde des ténèbres à la merveilleuse